toujours à toutes et tous, voudriez m'entendre. Je prépare tout doucement ma prise de direct. Quand je dis tout doucement, je suis encore en train de mettre en place mon la sono, j'entends rien. J'ai pas mis mes écouteurs. Cette allure. Alors, je dois vous avouer que je suis un peu dans les vapes ce matin, c'est bizarre. Alors, chatty, c'est égal excellent logiciel de gestion de chat pour Twitch. Ça me sert pour tout, la modération, tout, tout. On t'entend moins fort que le jeu, on voit pas ta tête. Alors oui, alors ma tête, elle va arriver tardivement, parce que j'ai même pas fait l'éclairage, je suis quasiment dans la pénombre. J'essaie de miser sur l'éclairage naturel par la fenêtre, mais j'ai tort. En fait, il faudra que je me mette la lumière artificielle dans la tronche. Attendez, pardon. Puis j'ai pas la voix claire, j'ai pas fini de siroter mon café, donc la gorge est sèche. Je suis mal mouché, bref, la totale. Ah, pardon. Oui, tu m'en exclus, oui. Nous sommes entre nancéens. Pipidi, pidi, pidi. C'est musique de fête. Ceux qui vont regarder la rediff, ils vont se dire, mais ils sont fous, ces nancéens. J'ai une bonne de ma boule. La Plastan leur a pas arrangé leur santé mentale. Pardon pour les bruits horribles, j'étais en train de calibrer ma webcam. Maintenant, je vais essayer de mettre la main sur mon système d'éclairage d'appoint. Que vous voyez partiellement ma frimousse. Non, ici, on force. Putain, la vache, j'ai mis 3 ans pour charger ma partie. Que se passe-t-il? Bientôt, Stardew Valley va être plus lent que Windows pour démarrer. C'est scandaleux. Avec un peu de chance, là, vous voyez mes tronches. J'ai mis avec un peu de chance. Je regarde même pas leur tour, hein. Je sais pas à quoi je ressemble. Waouh, chargement en cours, 2 jours plus tard. Bah alors? Que signifie? La 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 la. Bonjour cousin. C'est ça, on est entre nancéens. Ah mon Dieu. Ibi. Bonjour, cousin. Ouais, pendant que le jeu ne répond plus. Bah alors, il fait quoi le jeu? Vraiment le jeu qui fait peur? Qu'est-ce qu'il me fait? Il y a un bug dans la matrice là quoi? Un beau plafond. Mais non, il n'y a pas de plafond. Ah bon, vous voyez le... J'ai mal cadré. Je sais pas, je me rends pas compte. Il est vrai que j'ai pas fait le... Comme ça, normalement, je crois. C'est ça? Je suis désolé, j'ai même pas regardé le cadrage de ma... Wow! C'est quoi ce bug de... Putain, la vache! Samantha qui se barrait sur la droite alors que j'ai rien demandé. Alors, vous avez une cuisine, la cuisine est un excellent moyen d'améliorer vos capacités. Non seulement les plats cuisinés fournissent une source d'énergie très avantageuse, mais certains plats peuvent aussi augmenter ton programme de compétences, vos vitesses, bien plus encore, ça sent bon, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'il y a des recettes, la vache, il y avait des bonus de fou. On voit les bords en haut à droite de côté de l'image. Attends. Je vais retourner sur mon logiciel de... Bah, OBS, tout simplement. Attends, qu'est-ce que j'ai merdé comme cadrage? Bougez pas. C'est correct. Enfin, je vois pas comment je peux...
Oui, je peux. Attendez. Oui, je peux faire un peu comme ça, mais. Alors, pardon, je tripatouille le micro. Ça fait un vacarme d'enfer. Oui, je peux approcher comme ça aussi, mais bon, c'est un peu. C'est pas facile de bien cadrer tout le schmilblick. Là, c'est pas mal. Franchement, là, vous me voyez plutôt bien. Je trouve. Là c'est plus correct. Excusez-moi. Oui, nickel, oui. Ah, bonjour, Torota. J'espère que ça va bien ce samedi matin, Torota. Là, ça va être samedi matin douceur. On se fait du Stardew Valley. Ah, déjà du courrier. Alors n'oublie pas de manger sainement, sinon tu auras pas assez d'énergie pour travailler dur. Je te joins une recette. Ah, les spaghettis. Ah, merci, Lewis. Attendez, Lewis, c'est qui? Attends, Lewis. Ah, c'est le... Merde, c'est le maire. Oh, pardon. C'est le maire. Ok. Eh, attends, je vais vérifier le... Ah, merde, il est pas célibataire, Clint. Ah, je me disais, je vais me mettre le forgeron dans la poche, mais je peux pas, il est pas célibataire. Attends, qui est célibataire dans le patelin? On va faire le point. Donc, Abigail, la fofolle avec qui je m'entends bien. Il y a Emily, je crois que c'est sa sœur. Non, je dis des conneries, c'est pas sa sœur. Non, c'est la blonde, sa sœur, Harley, là. Voilà, Harley, pardon. Léa, célibataire aussi, tiens. Au niveau des mecs, il y a Alex, il y a Elliot, le prince chocobéen. Il y a Sam, il y a Miss Marou. Il y a Penny aussi, tiens. Qui est célibataire. Il y a Shane, Sébastien. Harvey, le médecin. Pourquoi il y en a? Il y a plein de... Ah, ceux qui sont célibataires, c'est bizarre, ils ont les cœurs grisés. Les deux derniers cœurs sont grisés. D'accord. Le nain n'est pas célibataire. Genre t'es mort de rire que le... Ah mon dieu, une romance avec le nain. Eh ben. Oula. Ok, bah. Je suis la récolte de tulip. La jolie tulip. Oh. Et la pomme de terre maintenant. Ça va, on va aller. Ouais. De droit, bah, je pense que je suis bien installé, mais bon, un coup, je vais le faire volontiers. Eh ben. Ah, j'entends le chien, le Zeus. Ouais, j'ai mon arrosoir, tant que je suis là, je lui... Ah bah non, j'allais dire... Si, attends. Oui, j'ai réussi à arroser sa gamelle. Ouais, il y a beaucoup à faire. Non mais vraiment, le rêve dans Stardew Valley, c'est vraiment l'arrosage automatique à 100%, quoi. Tu bouges plus un doigt, hein. Tu fais tout le reste, sauf l'arrosage. Est-ce que tous les jours, ça, c'est chiant? Je suis con, je suis en train d'arroser un terrain où il n'y a rien. Tout va bien. Ah. Pomme de terre sauvage là ou quoi? Non mais c'est moi qui ai dû planter n'importe comment là. Attends, on est au printemps, j'ai des graines, non? J'ai des graines de printemps. On va aller les semer. Faisons le semis.
Waouh, si. Oh là, hey, il faudrait presque un coffre spécial tulipe. Il y a tellement de qualités de couleurs. Il faudra que je fasse un coffre spécial tulipe. Ouais, bah dans l'immédiat, j'en ferai rien. Des pommes de terre, on verra ça plus tard. On est lundi, donc je peux aller voir le marchand. J'adore le vase en obsidienne, là, le truc noir en haut. J'adore ce vase. Je l'avais mis en récompense au musée, là, et... Et de l'avoir... Salut les gens, comment ça va? Oh, c'est adorable! Oh, merci Olive, j'espère que tu vas bien. Ah, oh, ça fait super plaisir que tu viennes te manifester sur la chaîne. Bah tu... Enfin, ça me touche que tu refasses un abonnement, merci, on va pas te mettre dans le mal. Mais Oh, c'est adorable, merci Olive. Eh bé. Ah, je n'ai rien au niveau fruit. T'es crevé, ah ouais, t'es claqué. Oh là là, bah puisses-tu te reposer? Je sais pas si pour toi samedi, là aujourd'hui c'est repos, mais je te le souhaite. Ibi, dur dur. On va aller acheter des graines de Stadou Valley. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci. En parlant de les sous de la cagnotte vont pour acheter des jeux. Je vais peut-être faire un test lundi. Alors n'oubliez pas que lundi, je vais passer presque toute ma journée à gérer le serveur Minecraft exceptionnellement. Parce que c'est le jour de renouvellement de l'allocation pour 2 ans. Et donc autant dire que lundi je me le réserve pour la coulisse de la chaîne. Et je vais peut-être vraiment faire un test, j'ai encore jamais fait, pour voir comme quoi ça fonctionne bien. Acheter un jeu sur GOG avec ma cagnotte que j'ai grâce à vous sous le compte américain, là. PayPal. Je vous tiendrai au courant, parce que je l'ai encore jamais fait. Donc je pense qu'inaugurer le truc serait peut-être une bonne idée. Mais je vous tiendrai évidemment au courant. Alors repos pour ma part, dit Olive qui tue, en plus il fait un temps dégueulasse dehors, donc je reste chez moi. Bah, je suis bien, bien content pour toi. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Merci à toi d'être là. Oh merde, il y a un événement. Il y a la fête des œufs. Ah oui. Ah mon dieu, j'avais oublié cette fête. Oh là là, il y a l'anniversaire de la bombe le dimanche. Vincent. Ah, il est marrant le gamin. Faudrait que je lui offre un tri. Ouais, c'est tout gris, hein, Nancy, ouais. Tu m'étonnes. Tiens, tu aimes le panais. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ha ha, elle sait pas le cuisiner, Abigail. Bien fait pour ta gueule. Oh, t'as vu des trucs préfabriqués, là. La canaillute. Oh mon dieu. Ah oui, c'est vrai que je peux racheter chez lui, mais... Catalogue, c'est quoi? Donner un accès limité au papier peint et au sol. Wow, c'est juste pour la déco, le catalogue. Oh, bof. C'est gadget. Encore, j'aurais eu accès à distance aux produits. Je dis pas, mais... Ah, chou frisé. Tiens, on va faire dans le chou frisé. Ouais, bref, c'est pas perdu. Chou-fleur. Chou-fleur, chou-fleur, chou-fleur. On va faire dans les chou-fleurs. Ouais. Ouais, le panier par défaut. Allez, je suis ma boule, je me ruine. Ah non, peut-être pas. Voilà, j'en ai 100. Je suis presque ruiné.
Mais c'est pas grave, c'est bien pour mon agriculture. Ah oui, il pleut depuis hier après-midi de ton côté, cousin. Tu es dans le centre de la France, on n'en dira pas plus pour ta discrétion, cousin. Au moins que les gens comprennent, parce que quand tu t'annonces de Nancy, toi aussi, là, ça sème la confusion. La jolie joyau. Ça fait vraiment une petite maison à prairie là, avec son bonnet. Bon bref, soyons sérieux, ne perdons pas notre temps dans Stardew Valley. Parce que le temps est précieux dans Stardew Valley. Autant semer des graines partout dans Stardew Valley. Le mec il le dit sans cesse. Comme s'il était sponsorisé. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Hein. Alors. Tiens, une graine de printemps inconnue. Pour combler le vide. Alors, j'avais dit que je ferais le chou frisé ici, moi. C'est pas comme si j'en avais foutu déjà en bas. Ouais, je fais nain. Tout va bien. Je fais n'importe quoi. Et frénésie de l'arrosage, pour changer. Attends, je vais encore regarder dans le... dans l'établi fabrication, si je peux pas encore m'acharner à faire du... Ah merde, il y a là aussi. Waouh, attends, je loupe un truc, là. Ouais, chou-fleur. Voilà, très bien. Ouais, là, j'ai pas arrosé ça. Alors, le riz, ça arrose tout seul. Il faut le laisser à proximité d'un plan d'eau. C'est cool. Non, je suis réglo. On a fait les champignons. Alors, attendez. Établi artisanat. Je sais déjà plus. Je fais des bêtises, au secours. Arroseur automatique. Fer or raffiné. La vache. Fer, or et quartz. Fer, or et quartz, mes trucs sont là. Fer, or et quartz. Eh ! Mais attends, mais je peux en faire encore un tripoté des... Eh oh, 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 je vais faire des... Non mais oh. Pas folle la guêpe, comme on dit. Mais je... bien sûr que je vais faire des... Mais je vais faire que ça. Je vais faire que des arroseurs automatiques, c'est tout bénef. Je vais me ruiner là-dedans. C'est du pognon tout facile. Attends, Olive, t'as eu une toxos... Quoi? On dirait une maladie grave. T'as pêché tout à l'heure une... un ou une toxostome. Et là, tu l'as dans le baba. Dommage. Dommage. Alors, Stipi sans lit. Ah ouais, non mais c'est obligé qu'il faut que je prenne les arroseurs automatiques. Ah oui, merde, il y a la partie basse aussi que j'ai pas arrosée. Ouah, alors attendez, je vais virer les pousses d'arbres. Désolé les futurs arbres. Bon, lui il a déjà bien poussé donc je vais le garder exceptionnellement, mais... Attendez. Alors là... Mais non, mais... Ah, encore que... On peut le mettre là... Ah ouais... Non mais c'est juste génial, quoi. C'est... Hop là... Il faudra que je remette un épouvantail. Voilà, là je le mets pas là parce qu'il y a l'arbre, donc je perds une case. Mon cerveau me dit gérer épouvantail. Est-ce que j'ai pas du rap d'épouvantail dans un coin? Non, à vrai dire. Eh, je commence à prendre mes largesses hein, sur le terrain. Ah, celui-là il est peut-être un peu trop. On verra si je me fais shipper des trucs.
Mais je vais utiliser ça. Voilà. Normalement, j'ai bien étalé mes... réparti mes... Attends, il est déjà 16h dans le jeu. Oh, je vais pas avoir fini de faire mon nouveau terrain que... Oh là 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 là. Faudra déjà aller se pioter. Bon, tu me diras, je suis allé sur la place centrale acheter des rennes. Allez, Samantha, à toi aussi, tu as le tour de bras. Enfin, le coup de main. J'en perds mon latin. Au secours. Bref, tu peux le faire. Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué à Stardew Valley, le génie de ce jeu, vous me direz, c'est pas grand-chose à programmer, mais ils l'ont fait quand même. Dès qu'elle donne un coup au sol, vous saurez que votre manette vibre. Donc là, je suis en train de me faire une... comment on appelle ça? Une séance d'ondes positives au niveau des poignets, parce que ça fait... J'ai les squelettes des mains en mode vibration, là, c'est trop bizarre. Ah oui, je vais mettre la torche ici. Voilà. N'importe quoi. Oh là 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 là. Mais c'est ça le succès absolu dans Stardew Valley. C'est des arroseurs automatiques partout. On va pas se mentir. Alors, j'y plante quoi? Grande question. Tout le reste, j'ai envie de dire. Ouais! Merde, j'en ai mis un sur le côté où il fallait pas. Tant pis. Les choux-fleurs. Ah oui, mince! Je me trompe de touche, c'est pour ça que je fais sauter le... Ah, et faire un coffre spécial tulipe, parce que... Parce que prout. Oh là 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 là. Mais attendez, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Alors là où j'ai pas d'arroseur, il faut absolument que je passe... Oh, mes mousses sont prêtes en haut. Là aussi, il faut que je fasse fortune dans la mousse. Les tonneaux de fermentation bière. Sans déconner, dans ma troisième année d'exploitation, j'en veux 50. Des tonneaux de... Pas moins. Ça rapporte trop de fric. D'ailleurs, je serais pas surpris qu'il y ait des témoignages sur internet de personnes qui ont fait presque intégralement leur fortune dans la brasserie. Des champs de tonneaux sur des kilomètres. Alors en été, le houblon, je vais planter que ça. Obligé. Alors, merdoum. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, j'ai... Mais, le tonneau, il m'a absorbé tout mon houblon. Ah non, pardon. J'ai eu peur. Merde, et puis j'ai une... Oh, je sais plus jouer. Au secours. Ah! Il y a des ennemis partout, c'est la nuit qui arrive. Sale bête. Va mourir, sale bête. Attends. Voilà, que je réarme les tonneaux pour la nuit. Blam, 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 blam. Ça bosse, ça bosse. J'aurais même pas eu le temps d'aller voir les confitures du côté de la carrière. Et là, blam! Oh là 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 là! Les ennemis de la muerte. Rangeons intelligemment tout ce que je viens de récolter. Il y a l'argile. Merde. Ah, je vois que ça bouge dans le chat. Attendez, je vais vous lire. J'ai eu le coup d'œil pour voir qu'il y avait une ligne qui... Ouais, c'est incroyable, faut faire un coffre ring pour les tulipes. Je ferai un joli coffre rose. Ouais, on va faire de dos. La thune, la thune. Oh, Saul Goodman, bonjour. Oh, Ruster, bonjour. J'espère que vous allez bien, les garçons.
Alors déjà, Eoster, j'espère que t'as soustrait ton mal de crâne. Parce que j'ai vu un moment hier que voilà, tu témoignais que t'avais mal au crâne. Et j'espère que c'est passé. Que ta nuit t'a aidé à te ressourcer. Et puis bonjour Soul Coolman, j'espère que tu vas bien. Ouais, les garçons vont bien. Ouais, ça va. Bah, je suis un peu mou depuis ce matin. Peinard, pépouze. Petit souci gastrique. Alors, je crois savoir pourquoi. Ça faisait longtemps que j'avais plus de vinaigre. Et j'ai pensé à racheter du vinaigre pour... là, bah, je me suis fait une salade hier. Et je crois que j'ai mal dosé. Donc, j'ai le vinaigre qui me rince le de l'intérieur. Donc, ça me barbouille un peu, mais ça passe. Mais en dehors de ça, ça va bien, merci. Ça va, ouais, c'est cool. Bah, dans l'ensemble, ça va. Où est la nuit à aider, Aeroster? Y a Torota qui est, voilà, sans plus. Olive qui est très fatiguée, voilà, pour les troupes. Et sinon, la plupart, ouais, on est un peu tristounet par rapport à la météo, mais elle est de saison. C'est le fait qu'il fasse gris. Voilà, je crois avoir bien résumé pour tout le monde. Ah là là! Oh, il y a flotte dehors, trop bien! Trop bien, trop bien, trop bien! Je vais pas. Hop! Oui! C'est merveilleux! Oh, puis il y a des mouches qui sont prêtes. Je suis riche. Oh merde, j'ai plus assez pour la fin de la saison. En houblon, j'ai tout claqué. Ça va être mes dernières... Bah, comment j'ai... Bon, bref. Ouais, bref. Non, mange pas le houblon, malheureuse. Ah, je peux récolter du... Ok. Oulala, j'ai des choses à récolter. J'ai des choses à récolter. La. Ah, c'est le zinnia. La fleur de Stardew Valley. Enfin, de Pelicanville. Oh la vache, on voit que ça fait rizière. Oh, c'est joli. C'est rigolo. Oula, il y a des esprits qui chantent. Là, on a entendu à... Oh là là, je vais faire un coffre spécial Zinnia. Mais c'est quoi cette teinture de bleu? C'est la plante à Michou là ou quoi? Mais c'est du délire. Mais regardez mon inventaire. Waouh, ce jeu de fou. Alors, il me faut un coffre. Mais non, je vais pas acheter le coffre. Non mais n'importe quoi. Ah. Mais non mais... Ah, j'ai plus de place dans l'inventaire, c'est pour ça qu'il me... Oh le con. Je suis un idiot. Voilà, hop. Putain, je cumule les coffres. Où est-ce que tu veux que je mette ça, moi? Ouais, je vais mettre des coffres là, mais... Alors, le Zania... Le... Je vais le mettre là. Voilà, ça va être le coffre aux Zinnia. Je reverrai ce que j'en fais plus tard. Ça se mange, en plus. Voilà, ça tire les papillons et ça se mange. Waouh. Attendez, les roses étaient où? Ah oui, les tulipes, pardon, pas les roses. Roger, bon, ce que je viens de chanter, c'est le grand Jacques Brel. Hein. C'est des déclinaisons en latin.
Oh merde! J'ai zappé de replanter des trucs, moi. Oh le con. J'étais tellement émerveillé par la fleur que j'ai complètement ignoré de retravailler le champ. Je peux... Ouais, je peux dans le panais par défaut. En même temps, j'ai plus beaucoup de tunas, alors... Je me vois mal investir dans... Ah oui, vous vous saluez entre vous. Je vois que ça bouge joyeusement dans les chats, c'est bao. Bon, j'ai replanté du panais. Allez-y, où ça occupe. Alors, est-ce que je peux intelligemment optimiser ma situation? Attendez que je réfléchisse au niveau stratégie, en fait. Je vais aller à la carrière, casser des cailloux et vérifier mes trucs de confiture. Sûr que je peux faire un truc. En plus. Mais je vais aller à la carrière. Ah oui, j'ai pas fait la grotte aux champignons. Merde, homme. Faudrait que je le fasse. Il n'y a pas... Bon, à part les arbres plantés, il n'y a pas de... Non. Oh, les wagonnets réparés, c'est trop bien. Miaou. Voilà, les confitures. Je collectionne les confitures. Oh non, je les revendrai, ouais. Alors, les murs. Comme vous le savez... Mes confitures et gelées ont beaucoup de succès parce que je les prépare avec amour. C'est débile, mais ça me fait toujours rire de faire le jeu de mots. Bon, allez, cailloux. Oh, ça sent l'émeraude. Oui. Extraordinaire cette zone de carrière à ciel ouvert. Trop bien là aussi d'avoir réparé le pont. C'est vrai que c'est des gros bonus hein, quand on satisfait les merde. Quand on satisfait les Juminos là. Ils nous font de ces cadeaux, ça déverrouille des machins dans Stardew Valley, c'est la fête. Attends, j'ai bien vidé mon inventaire moi. Ouais. Mine ville. Est-ce qu'aller en ville est une bonne idée? Je réfléchis. Non. Non, j'ai même pas la thune pour... J'ai même pas la thune pour le... Comment ça s'appelle? Pour améliorer mes outils, donc... En cuisine, qu'est-ce que je peux préparer? Est-ce que ça vaut le coup? Je laisse d'ailleurs de la gelée dans le frigo, moi. Gelée de mur, on va voir. Au lieu de la vendre, je vais la laisser. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Oh là là, comment on fait les gâteaux? Parce que ça va être l'anniversaire du gamin demain. Je le vois même pas, je croyais que j'avais déverrouillé le gâteau au chocolat. Ah si, il est là. Ah, des œufs. Ouais, mais il vend pas d'œufs, Pierre, dans son magasin. Enfin, je crois pas. Ah merde, c'est con. Ah ouais, c'est con ça. J'aurais pu faire ça pour le gamin, il aurait été heureux. Parce que le reste des plats salés pour son anniversaire, il va faire la tronche. Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir au gamin, sachant que c'est son anniversaire demain? Ah oui, il y a les notes secrètes. Tiens, il va falloir que j'en lise une. Aïe, aïe, aïe. Alors, la note secrète, comment on la lit? J'ai caché quelque chose derrière le centre communautaire. Eh ben, on sait ce qu'il nous reste à faire. On va aller voir ce qu'il y a derrière le... Attends, je vais ranger les... Hop, les minerais bonus. Cailloux. Il y a quelque chose derrière le centre communautaire. C'est rigolo, les notes secrètes. Je sais pas combien il y en a. Artisanat, ouais, tout ce qui est tonneau. Ah oui, il faut de la résine de chêne et des bocaux. Ouais, bocal. Oh, pour ce que je fais, je peux en faire 50 milliards des bocaux non plus.
C'est quoi ça? Le sapin en haut? Engrais pour arbre? Ah ouais. Ah, intéressant. Et ça, graines anciennes. Ah ouais. Vache. Ah. Ouais. Ah, paratonnerre. Comment qu'on le fait? Aile de chauve-souris, quartz raffiné et fer. Ah. Il faudrait que je place des paratonnerres chez moi. Alors, fer, quartz, aile de chauve-souris. Des ailes. Fer. Oh, je vais en faire deux. Je vais pas en faire 50 non plus des paratonnerres. Mais c'est juste pour le principe. C'est surtout en été que ça va péter les orages. Voilà. Non, je voulais pas prendre tout le bois dégueulasse. Je voulais juste en prendre un pour le recycler. Voilà. Je crois que il faut mettre près des arbres, histoire que ce soit pas les arbres qui prennent la foudre. Donc je vais aller de ce pas protéger mes arbres fruitiers. Les arbres classiques encore, c'est pas que je m'en moque, mais pas loin. Alors que là, voilà. Je pense que c'est une bonne chose de faire comme ça. On verra. C'est là où la nuit prochaine, il me dit qu'il n'y a pas assez de place pour que ça pousse, je vais te dégoûter. Alors, le centre communautaire, intelligemment, je peux peut-être mettre des trucs. Ouais. J'en prends une. Ah, je crois qu'il clignote, c'est pour la récolte de qualité. Ouais. C'est vrai que maïs, j'y crois pas trop. C'est pour ça que je prends pas. Là, j'ai. Ah, j'ai le panais qui clignote. Pourquoi, je sais pas. Ah ouais, pommes de terre. J'ai pommes de terre qui clignotent. Je sais pas pourquoi. Là, alors l'été c'est bien, j'ai déjà des graines en réserve. Oui, bon dodo, Torota, bon repos. En même temps, avec le temps gris, c'est vrai que t'as du mal à péter en énergie. Ça donne envie d'être un peu zombie. Un temps pareil. Mais qui est de saison. Ah oui, oh, le blé, ouais, non, c'était particulier, là, sans lien avec Marnie. Produit de la mer, j'y crois pas trop. Non, y a rien qui clignote. Ah! Ah bah oui, c'est le... encore. Encore et toujours. Ouais, non, y a rien de... Ah! Je me souvenais plus qu'il me restait du houblon ici. Je vais prendre le houblon de qualité pour les... Ouais, non, mais il n'y a plus rien, là. Bon, allez, on va aller voir le centre communautaire. On va compléter 3 bricoles. Ah bah, c'est bien, il me reste un peu de houblon. Coucou. Bonjour, Tunsen. Alors, Tata dit, le temps influe pas mal sur mes intestins également.
Ah ouais. Ah la vache, à ce point-là. Eh ben, courage avec ça, toi, Ota. Dur. Oh! Une poupée ancienne. Ah, attends, ils ont dit j'ai planqué un truc derrière le centre communautaire. J'ai planqué un truc derrière le centre communautaire. Qu'est-ce qu'il y a de planqué? C'est ici le centre communautaire. Ah oui, hé! Oh la vache, il y a du terrain! Bah non, il n'y a rien. Dans les buissons, peut-être. Là. Je comprends pas. Ou alors j'ai mal fouillé, mais. J'attaque à la faux. Mais non, j'ai rien. Je comprends pas. Attends. J'ai planqué quelque chose derrière le son. Là. Je cherche, hein. Mais je vois pas comment je récupère le truc. Y'a rien de planqué. Faut faire quelque chose avec un objet spécial. Attends, là où? Mais non, je peux pas taper le sol, c'est de l'herbe. Là, je sens qu'il y a il y a comme quelque chose de... Mais c'est le bâtiment, en fait, je pense. Minute papillon, là, je comprends plus. J'ai un résumé des messages. Note secrète. Voilà. J'ai caché quelque chose derrière le centre communautaire. Oui, j'ai bien lu. Mais où? Là, littéralement, je suis derrière. J'appuie avec frénésie sur le bouton de ma manette. Et j'obtiens rien. Je comprends pas. Bon, attends. Tant que je suis là, ça va gicler. Voilà, au moins ça c'est entretenu. Ah! Joli. Oh! J'ai la récolte des jonquilles, j'allais dire des pissenlits. Remarque, on pourrait prendre des pissenlits pour s'en faire une salade, mais. Je comprends pas. Mais j'ai rien derrière le. C'était bien indiqué derrière. Bonjour, Sweet Crazy. Oh, encore une fleur. Hello, c'est un objet posé, donc il faut faire comme quand tu veux déplacer quelque chose posé sur la ferme. Ah, merci de la précision. Alors, c'est un objet posé. Ah bah, ça doit être le truc auquel je tourne autour, là, quand je suis au centre, derrière, au niveau du toit. Je fais un contournement d'un truc. Alors, attends, faire comme si c'est un objet posé. Écoute, si tu veux manger la jonquille, mange-la. Il faut faire comme quand tu veux déplacer quelque chose. Alors du coup, je fais les autres touches, mais j'y crois pas. C'est quoi ça? Ah, il y a un bruit bizarre. Ah! Waouh! Merci, Sweet Crazy. Merci, merci. D'accord, oui, merci pour le GG. Oh la vache! Alors, pour maîtriser les mécaniques de jeu, il faut y aller. D'accord, j'ai gagné une statue d'un Jumino. Alors, eux, ils méritent que je les mette en valeur dans ma grotte champignon. Junimos, je sais plus comment on les appelle. La 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 la.
Bah, c'est sympa comme trophée. Il est déjà 20h dans le jeu. En plus, généralement, c'est une journée à aller à la mine, quand il flotte, et ben là, que quick. Oh, puis j'ai partout planté. Le mec qui a tout faux. J'ai des espaces libres d'agriculture. Honte à moi. Ah oui, honneur au Juminos. Ah oui, Sheba. On va pouvoir les vénérer. Il doit me rester des graines de je sais pas quoi. La 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 la. Ah bah tiens, voilà. Mais oui, j'avais soustrait des pommes de terre du sol. T'en ne vois rien. Ah, c'est le jeu de devine où t'as planté les choux. Bon, là j'ai planté des trucs. Voilà, là j'ai oublié de replanter. Ce qui est vraiment débile parce que comme c'est un espace d'arrosage automatique, c'est tout bénef. Voilà, là aussi. Ah non, là c'est bon. Je crois que je peux me satisfaire de ce que j'ai fait. Artisanat. Qu'est-ce qui me manque le plus dans la recette des arroseurs automatiques? Je sais déjà plus. Je vais ranger les graines. Merde! Je suis pas allé dans le centre. Je suis allé derrière, mais je suis pas rentré dedans pour. Oh mais quelle nunuche. Oh puis là c'est trop tard là, comme c'est la nuit. Aïe. Je m'étais préparé à y aller et je suis pas rentré dedans. Mon dieu. Et ben en punition, je démarrerai par ça demain matin. Non. Là où je mets les objets insolites, là, c'est quoi? C'est. Oui, c'est là. D'ailleurs, il l'a. Oui, Gunther l'a jamais eu. Gunther ne l'a jamais eu. Ouais, bon. Ah, c'est l'anniversaire du gamin demain. Je sais pas quoi lui offrir. Si je lui offre des champignons frits, il va faire la tronche, le gamin. Si je lui offre une baguette de pain. Ah, bah non, j'ai pas de lait. Quand tu rigoles, je peux même pas faire ça. Oh, anniversaire du gamin. Faudrait que je lui fasse du gâteau au chocolat. Ouais, non, c'est les œufs. Mais ils vendent pas d'œufs, Pierre. Enfin, je crois pas. Est-ce que j'ai loupé une émission à la télé? Ah, demain, il faut arroser. Merde. Bon, je bois un coup. Oh! Énorme! Niveau 10 en agriculture. Faut que je fasse un choix. J'ai déverrouillé le succès. Un talent singulier. Atteindre le niveau 10 dans une discipline. Alors, artisan. Les produits artisanaux comme le vin, le fromage, l'huile, etc. valent 40% de plus. Ou alors, agriculteur. Toutes les récoltes poussent 10% plus vite. Putain, le choix est pas évident. Si je suis agriculteur et ça pousse 10% plus vite, ça veut dire j'ai intérêt à faire de l'arrosage et pas me louper, mais. Ah. Je pense que artisan, parce que valent 40% de plus, c'est tentant, hein, artisan. Je vais faire dans le vin et dans la bière. Je vais faire dans les spiritueux, les alcools. T'es comme un artisan vu que tu veux faire les mousses. Ouais, c'est ça, Torota. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si les mousses sont incluses dans le. Attends, on va voir si ça a déjà changé. Non, je les vends toujours 300 l'unité. Mais je vais faire dans le vin aussi. Obligé. Ouais, attends, il est où mon raisin? J'ai du raisin en réserve, non? Ta gueule, le coq! Non, j'ai pas de raisin.
Ah si, le v'là. Putain, c'est tentant. Ah, c'est tentant. Oh, mon premier miel. Cadeau miel. C'est merveilleux. Qui c'est qui m'écrit? Bonjour, mon ami. Ah, c'est Linus, l'homme à la tente. Le lac de montagne était généreux ces derniers temps. J'aimerais partager ma bonne fortune avec toi. Mais chez Linus, un archigan à grande bouche. Ah, mon dieu. C'est généreux. Bah tiens, je lui offre mon miel à Linus. Il le mérite. Même si c'est pas son anniv, on s'en fout. Waouh. Oh, je vais être dégueulasse. Vous savez quoi? Pour l'anniversaire du gamin, je vais lui offrir de la bière. Chiche, chiche. Est-ce que le jeu est programmé comme ça? C'est dégueulasse. Inciter le gamin à boire. Je veux voir s'ils ont programmé quelque chose. Oh la perversion absolue. Tu t'approches du gamin, tu vas devenir un homme, gamin. Boîte à mousse. Oh non, c'est horrible. Je veux voir s'ils l'ont programmé. Ah, c'est génial, j'adore. Attends, il est où Linus? Il est là-haut. Avant d'aller au centre communautaire. Tiens, il y a du miel. C'est un cadeau formidable, merci. Ouais, tu m'étonnes. Attends, je te chip ton poireau. Sans mauvaise interprétation salace, là. Alors, le centre communautaire, j'ai des choses à y déposer. Vénérons les Jiminos. Tiens, d'ailleurs, je pourrais à l'occasion redonner un truc du vide, la essence du vide au sorcier, ça va le rendre tout fou. Il va être en joie pour ses expériences arcaniques de magie du démon. Alors. Ouais, je sais jamais. Ah bah tiens, aquarium. Là, non. Merde. Archigan à prout-prout, non j'ai pas. Ah si, c'est ça. Oh, trop bien, merci Linus. Je me disais bien que j'ai bien fait de pas... Oh là, merci pour le retrait, merci pour l'aide, hein, Sweet Crazy. Bon week-end à toi. Alors, tu dis c'est marqué, etc. pour l'artisanat. Les misements de Temus se sont faits avant le passage au niveau 10. Je pense qu'au prochain soir, ça devrait le faire. Puisque tu as une nouvelle mousse et tu verras ce que ça donnera. D'accord, ok. Ouais, t'as peut-être raison dans la mécanique de jeu. Bon repos, oui. Je t'ai pas allé te reposer depuis ton retard, pardon. Mais merci, ouais, je pense que t'as raison dans la mécanique de jeu, c'est ça. Mais ouais, si les mousses valent encore plus cher à la revente, je suis riche. Je suis riche. Oh, le coût du fric, non. Reviens dans un an quand je serai ultra riche. Ah merde, c'est déjà fait ici la chaudière. Reviens dans un an quand je serai ultra riche avec mes mousses. Ah oui, affinage, amitié. Ah oui, non, ça c'était bizarre ça. Oh, attends, c'est quoi? Ah non, c'est du pavot, je crois, son truc. C'est une fleur que je pourrais cultiver plus tard. Oh, elle me bouffe elle avec son. Ah ouais, mais les résines de chêne, j'en fais des tonneaux, donc ça viendra plus tard. Par contre, le vin pourrait arriver plus vite qu'il y a eu, hein. J'ai encore un truc là, oui, il y a des trucs délabrés. Ah, c'est pour ça que ça clignotait. Oh la vache. Ah ouais, le melon aussi. Ouais, bah le panais, c'est pas difficile. Pourquoi je peux pas le mettre? Ah, il faut que je mette les 5 d'un coup. Oh, les salopards. Ah ouais, c'est abusé. Waouh, je peux pas mettre un par un. Oh là, d'accord, ok. Oui, c'est pour éviter de se bloquer, je présume. Ah merde, le pot de miel, j'aurais pu le déposer là. Ah bah, prochain miel, je le mets là. D'accord.
D'accord, d'accord, d'accord. Oh là là, un IMO, c'est dans... Bah tiens, je pourrais déposer celle-là, mais elle est de haute qualité, donc ce serait débile. D'accord, ok, ok, j'accepte. Là, il n'y a plus rien, hein. Je crois que ça fait partie de la même pièce. Ouais, ouais, parce qu'en bas, on voit que ça a été refait. J'ai gagné en bas. Ça doit correspondre au chariot, je sais plus. Il est où le gamin? Je vais honteusement pervertir le gamin. J'adorerais voir une séquence programmée exprès pour vous avez perverti un gamin à l'alcool, vous devriez avoir honte. Dites-moi qu'il habite là, le gamin, je crois. Ah bah tiens, il y a la sœur. Salut, Jas. Il est où ton frangin, ma grande? Attends, non, c'est quelle baraque? Il est où, le gamin? Je sais plus. Non, c'est pas par ici. Bah, ça m'empêche pas de lui offrir des trucs. Tiens, t'as gagné une mousse. Merci, ça va donner le sourire pour toute la journée. Elle va être pimpette, lui. Il est où, le gamin? Oh, journal des trempés. Ouch. Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'est Emily. D'accord. C'est quoi cette scénette? Oula! C'est sa séance de pierre magique, là? Miua! Oui, bien sûr. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je me pose la même question. Pourquoi suis-je là? Passage de licorne. Non, je suis pas libre de mes mouvements. Oui, tout est dit. Ça me rappelle quelque chose. Oui, moi ça me rappelle les licornes, mais je vais pas détailler. Même la plus petite, la plus faible des lumières cache un merveilleux secret. Oula, elle est philosophe avec ça. Poète. Maintenant, je sais pourquoi tu es là, c'est un signe. Ah bon? Oui, pareil. Waouh! Elle s'est fait une salade aux champignons hallucinogènes, la miss. Ah, ça y est, elle se réveille honteuse. C'est ça? Samantha, il y a quelque chose de spécial à propos de Samantha. Ok, j'avais déjà pas assez d'une barge au nom d'Abigail, maintenant j'en ai deux. Ah non! Mais c'est quoi ce jeu? Oui, bien sûr, nos destins sont liés, oui. Wouah! Ah bah voilà, le coup des pierres. Génial, tout le monde a des pierres précieuses. Oui, 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 oui. Maintenant, fermez les yeux, respirez lentement et profondément, concentrez-vous sur le mouvement de votre ventre. Oui. Visualisez l'énergie pure qui circule dans votre corps à chaque respiration. Si j'ai bien vu, elles ont chacun une pierre en fonction de la couleur de leurs cheveux, c'est rigolo. Et lorsque vous expirez, laissez toutes les tensions et énergies négatives s'écouler hors de vous, vous permettant de vous sentir de plus en plus détendu à chaque respiration. Maintenant, ouvrez votre cœur à la fréquence vibratoire de votre pierre. Ressentez-vous quelque chose. Oh mon dieu! Mais c'est pas possible! Oh là là! Non! Moi, oui! Oh là là! Détendu, ouais. La blonde, elle a rien dit. Elle dort. Je pense que les pierres précieuses ont été utilisées à bon escient. Bah, heureusement.
C'est, elles font un pentagramme, c'est, elles invoquent le démon. Eh, je voudrais pas dire, mais avec toutes ces âneries, moi je cours après le gosse. Oh, je peux entrer chez elle. Oh merde. Tiens, tu veux de la mousse? Merci, je ressens une énergie positive qui émane de ce cadeau. Ah oui, alors là, pour te sentir vibrer, crois-moi qu'avec une bonne mousse, tu vas plus te sentir, ma grande. T'as pas idée de ce qui va se produire? Alors, j'ai entendu parler de bagues magiques rares et puissantes, forgées il y a longtemps par des civilisations oubliées. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est juste un conte de fées. Si c'est peut-être possible, mais dans la mine, là, il faut aller dans les enfers. J'avais déjà... Attends, j'ai déjà récolté une bague. Bah oui, elle est là. Petite bague magnétique augmente les gens... Ouais. Non, il doit y avoir des trucs à la Diablo. Non, je suis pas assez proche de Halley pour rentrer dans sa piole. Incroyable, je peux entrer dans la piole de la... d'Emily. Mais il est où, le gamin? Gamin, t'es où? Je veux le pervertir et lui offrir sa mousse. Ah bah tiens, il y a le papa. Mais c'est le militaire. Alors, j'ai acheté ail dans la boutique de Pierre l'autre goût, ça avait un goût incroyable. Eh ouais, les bons produits de la ferme. Il a dit qu'il avait fait pousser cette chose dans son propre jardin, je savais pas que Pierre était un fermier si talentueux. On dirait bien qu'il y a de la concurrence pour toi, tu crois pas? Oui, le jauja de mes deux. Tu es ici depuis un moment maintenant, n'est-ce pas? Ta ferme doit bien prospérer. Ça commence à devenir intéressant, vraiment. Tiens, voilà ta mousse. Un très beau cadeau, merci. Eh ouais, une petite mousse ce matin, militaire. C'est ton apéro. Mais où le gosse? Je veux pervertir le gamin. C'est honteux, mais c'est trop drôle. Aïe, aïe, il est peut-être à l'école, le mouflet. Bah, peut-être que j'aille du côté du... Message de Torota 77. Oh, monsieur le maire. Quand les femmes font space dans leurs rêveux, quand on est con, on est con. Pardon? Quand les femmes font space dans leurs rêveux, c'est con. Ok, Torota... Tout le monde s'y met. C'est pas grave. Merci, c'est génial. Oui, tu m'étonnes. Rien d'autre à dire, monsieur le maire? Perception des impôts, Marmon, Fred, les frais de printemps, Marmon. Ah oui, non, c'est la compta du village. Attends, le gamin, il doit être à l'école. Attends, c'est quoi les défis de la semaine? Non, j'ai pas de... Ectoplasme. Non, je pense pas que je vais aller à la mine cette semaine. Trop de choses à faire. Il doit être à l'école, le gamin, il doit être à la bibliothèque. Oh! Ah oui! Tiens, bien vu, il fait son cours. Abigail qui dit, Océan, tu fais une petite pause? T'aimes la bière? Eh, comment t'as su que j'avais faim? Ça a l'air délicieux. Ah, le gamin! Ah! Alors, Mademoiselle Penny dit que je dois lire ce livre avant que de pouvoir aller jouer. Ouais. Est-ce que je peux lui offrir la pièce? Je me marre d'avance. Attendez. Ah, oh, il a fait la gueule. Ah, c'est pour mon anniversaire, merci. On aura essayé, mais il a pas aimé. Ça va, le jeu est bien. On peut pas rendre alcoolique un gamin. Oui, papa est d'école ici. Je suis venu pour donner une bonne éducation à Vincent et Jazz. Non, mais c'est bien. Bravo, Penny. Bravo Penny. Bon, je suis un peu rage. Ah oui, non mais je t'en prie, Torota. T'as raison de te faire plaisir. Mais non, ça va, le jeu, il y a quelque chose de sain dans le fait de ne pas encourager les gamins à boire de l'alcool, c'est rassurant. Ah là 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 là, pauvre gosse, j'avais pas d'eux, donc pas de... Mais je me rattraperai les années suivantes. Je lui offrirai des gâteaux quand je pourrais faire des œufs, promis. Mais c'était drôle. Ah. Oh. Trouver un bouquin. Eh, hey, ça faisait un petit moment que j'avais pas récolté les trucs sur la plage. Hein. La vache, les coraux, toi. De l'algue, très bien. Non, j'ai plus de place. Oh mon dieu, je n'ai plus de place. Qu'est-ce que je fais? Je... Non, non, même pas. C'est-à-dire, je mange de poireaux, mais même pas. Oh, je repasserai une autre fois pour l'algue, tant pis.
Tant pis, tant pis, tant pis. Eh ben, c'est pas perdu. Je crois savoir que j'ai même pas fait la grotte aux champignons chez moi. Faudra que je fonce rentrer dans la ferme. Dans l'exploitation agricole. Ah, il y a mamie. Oh, je peux pas lui offrir un truc à mamie. Oh merde. Parce qu'elle est, elle est adorable. Bah tiens, le poireau que j'ai, peut-être. Non. Comme c'est gentil, merci beaucoup. Oui, ça va, elle a apprécié. Au moins, j'ai gâté les gens du village. Hein. C'est tout bénef. Ah bah tiens. Un poireau de donné, un poireau de gagné. Ah bah de la même qualité en plus. Et puis deux. Wouah, double. J'ai doublé la mise. Magnifique. Magnifique. Ah oui, alors attends, les tonneaux, les... Oh là 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 là. En fait, je me suis pas du tout occupé de ma propriété avec mes âneries. Je suis en retard. Oui, du coup, les pommes de terre, j'ai pas compris. Pour le centre communautaire, j'ai dû louper un truc. J'ai dû louper un truc. Non, c'est un classique de l'automne, la citrouille. Je vais la ranger là-bas. Attends, il y a les... Ouais, il y a les fameux poireaux qui sont là. J'ai tous les produits de la mer à faire gicler dans le coffre. Alors ça, je range, je range, je range, je range, je range, je range, je range. Putain, mais ils sont délirants dans le village. Ils sont délirants. J'ai dit que je ferais maintenant... Ah bah non, j'ai encore de quoi faire du houblon. Donc je continue le houblon, je ferai du vin plus tard. Tant que je peux faire du houblon. Très bien. Le vin, j'anticipe. Le raisin était là. Oh la vache. Ah ouais. C'est super intéressant, j'adore. Alors, récolte, vite. Je vais ranger tout ça là-dedans. Oh, hey, si la ruche a donné, mais je suis bête, moi. J'ai mis d'autres ruches en bas de la propriété, je suis pas allé les voir. Du côté de la miss à longs cheveux, là, j'ai oublié son nom. Marnie. Ouais, par défaut, je mets des vannes de panais parce que je sais plus quoi mettre. Eh ben, j'ai bien fait d'en acheter 650 millions, là. On est même pas à la moitié de la saison que je dois déjà tout replanter. Après, y a rien qui me choque. Bon, ce qui me choque, si, c'est le manque d'eau. Attends que je suis bien sur la ligne, je continue. Oh vache. Là, 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 faut faire la gamelle du chien aussi. Vérifier les arbres fruitiers également. Oh là 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 là. Une journée à la ferme, c'est merveilleux. Ah non, j'avais fait la gamelle du chien. Ou alors il l'a pas bu. Ou alors il ne l'avait pas bu. Même les arbres, ils donnent de leur résine. Je veux. Zoom, zoom. Hop là. Pam, 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 para, para, para. Ouais, il va falloir regarder à droite et à gauche. Tout ce qui est truc de... Oh la vache! D'où elle sort, elle? Cochonnerie.
Oui, ça commence à être le bordel sur le terrain. Ça, ça pousse là. Ah, oh, waouh, prodigieux. Tiens, parfois il y a un vendeur ambulant en caravane ici, je me souviens. Bon, sauf que là, il n'y a personne visiblement. Non, il n'y a personne. On va s'est loupé. Je peux entretenir un peu là aussi. Ouais, mais il commence à fermer. Ah, il faudra que je donne des... Ah oui, je l'ai pas pété, ça, ça fera du bois dur. Ah, puis attends, ouais, ça va me dégager un chemin. On dirait qu'il y a un... Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est? Attends. Merde, c'est con, je fais ça de nuit. Qu'est-ce que c'est? Je cours comme un fou parmi les ennemis. Une entrée de grotte? C'est quoi le délire? Il y a des... Oh, il y a un bâtiment. C'est quoi? Vieux maître Canoli, toujours à la recherche du meilleur goût. C'est... Attends, faut faire des offrandes? Non. Je comprends pas. Canoli, qu'est-ce que c'est que ça? Merde, il y a un ennemi. Oh, faut que je revienne ici deux jours. Waouh, mais il y a trop de trucs dans Stardew Valley. Oh, il y a un bassin. Cool. On va pouvoir faire de la pêche. Non, je peux pas parce que là, il est de haute qualité. Je peux pas le... Inventaire plein. Eh ben, dis donc. Waouh! Ah, il faudra que je donne au vieux sorcier, là, le... son essence du vide. Histoire que je sois donc copain avec. Parce qu'être copain avec un sorcier, je crois franchement que ça peut être pratique. La 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 la. Ah oui, non, j'ai plus de place. Attendez, pause. Oui, ça a rien à faire là, le champignon. Bon. Attends, le truc visqueux, c'est du algue verte. J'ai les ailes de chauve-souris, ça va là. Ouais, là je peux mettre le bois dur, encore que ça doit ranger ailleurs, mais je suis plus à ça près. Oui, en ennemi, j'ai le slime. Attends, j'ai des trucs mal rangés. Mais oui, printemps, il faut que je mette ça au printemps, moi. Je vais garder sur moi une essence du vide pour le donner au sorcier. Au moins qu'il ait son cadeau du moment. J'irai le voir demain. Mélange de... Oh, 24 mélanges de graines. Faut pas que j'oublie les graines bonus. Ouais, j'ai un super champignon. C'est quoi ça? Graines d'acajou. Oh, enfin, peut-être que je les plante. Ouais, résine de pin. J'ai mes graines de ça. Donc le reste se range dans le coffre printemps. Voilà. Le miel. Je vais peut-être le garder dans le frigo, le miel. Au lieu de le vendre tout de suite. Je vais sûrement faire des trucs à base de... De miel. Hop, houblon, la suite. À moi la fortune. Alors, on va vérifier là, effectivement, l'observation de Torota. C'est le coup de... est-ce que je passe de l'unité à 300 pièces d'or à plus, maintenant que j'ai l'attribut artisan, là. Tranquille, le chien.
Tranquille, tranquille, il a la belle vie. Oui, je peux rien faire de nouveau, moi, avec mon miel. Pour le moment, mais je pense que c'est important d'avoir du miel dans le frigo. Bulletin météo, déjà. Alors, demain... Merde, il va falloir arroser parce qu'il fait soleil. Rediffusion de Reine des Sauces. Le plat du jour, bonbon Canberge. Une recette amusante pour vous aider à célébrer la nouvelle année. Les canneberges sont très amères, mais plongées dans un océan de sucre. Elles ont le même goût que des larmes d'un ange. Voici comment faire. J'ai appris à faire les bonbons Canberge. Mais j'ai de la canneberge, mais pas dans le frigo. Ah. Alors, attendez voir, il est où le bonbon? C'est ça? Non, on dirait de la soupe. Ouais, non, soupe à la truite. Ah, c'est peut-être ça. Bonbon ou canneberge? Ah, c'est une boisson. Ah, merde, il faut une pomme aussi. Canneberge, pomme et sucre. Ah, pas mal. J'ai un grenadier et un je sais plus quoi comme arbre que j'ai planté. Merde, il faudrait que je plante un pommier. Ce serait tout bénef. La vache! Oh, c'est intéressant, ouais. Bonbon canneberge au niveau énergie quand tu vas à la mine. Ah ah ah! Exact! Je suis passé de 300 pièces d'or à 420 pièces d'or. Ma fortune est faite. Pour la bière blonde. C'est énorme, le calcul est vite fait. Je vends 10 mousses de qualité. 4200 pièces d'or dans l'escarcelle. Oh, j'ai trouvé mon filon. Je vais faire brasseur. Mais vraiment, c'est dingue. J'adore. Ta gueule, le coq. Samantha. J'ai un nouvel objet en stock, c'est un récolteur automatique. Ah bon? Ce récolteur peut vous traire vos vaches et vos chèvres. Oui, c'est une trayeuse, d'accord, ok. Non, c'est une trayeuse. Et tombe vos moutons tout seul. Ah non, c'est plus qu'une trayeuse, effectivement. Considéré comme un objet de luxe, il t'en coûtera 25 000 pièces d'or, Marni. Alors dans très longtemps. Déjà, il faudra peut-être que j'essaie d'avoir des animaux. Il faudra peut-être que j'essaie de remplir mon arrosoir aussi. Hic. Pardon. On va commencer par l'arrosage tout doux. Alors, donner les essences du vide. Oh, trop bien. J'ai de la résine de... Je sais plus quoi. C'est la résine là qui me sert pour faire les tonneaux, les fûts. Ah oui, la résine de chêne, voilà, j'en oubliais le nom. Non, arroser le chemin ne te servira à rien, Samantha. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne d'élirer avec nous. Chanson pour Aerostar, ça, Loir-et-Cher. Il la connaît. Je savais que t'allais réagir. En plus, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Faudrait que je me la réécoute parce que... Elle donne la pêche, la patate, cette chanson. Ah, j'ai découvert, merci les copains. Vous m'avez fait découvrir et je connaissais pas que Shakira avait chanté le répertoire... Enfin, le répertoire. Avait shippé dans le répertoire à... À Cabrel, petite Marie, là. Ah, ça m'a fait bizarre d'entendre Shakira chanter en français. Je vais filer voir le sorcier lui donner son essence du vide. Au moins, ce sera plus à faire. Mais en fait, tu entretiens pas ton terrain, tu te retrouves avec une forêt dense, hein. Au bout de quelques saisons. T'as tellement d'arbres qu'à pousser que tu peux plus passer. You, le sorcier était où? Salut, toi.
Il y a beaucoup de mystères qui nous entourent. Il faut être patient si tu veux les découvrir. Attends, ça, cadeau. Ah, c'est un bon énergie arcanique puissante. C'est très utile pour mes recherches, moi aussi. Allez-y. Alors, Linus, je vais vous faire tout à l'heure, enfin, dans la semaine, un pot de miel. Après, c'est au pifomètre. C'est l'anniversaire de qui? C'est la blonde, je crois, Arvel. Si je me souviens du calendrier, dimanche. Oh, bien, j'ai mis des graines en fauchant les herbes hautes sauvages. Un joli papillon, papillon de mayonnaise. Oh. Où est-ce que j'avais fait saigner les arbres, moi? C'était autour de mon étang. Voilà, mais sauf que j'ai rien à récolter. Du moins pour le moment. Bon, bah, ça m'arrête d'être clair. Oh là 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 là! Arrosage. Je serais tenté d'aller à la mine. Hein. Je serais tenté d'aller à la mine. Pour ma part. Finalement. Je pensais pas y aller de la semaine, mais... derrière l'épouvantail, je sais même pas si ça a été arrosé, donc avec le bénéfice du doute, je m'y remets quand même. Ce serait dommage de perdre une récolte. Je re-remplis l'arrosoir. Peut-être faire un petit tour. Ah, génial, un deuxième. Faire un petit tour du côté de la truc mûche à ciel ouvert, là, la carrière. Graines de panais. J'ai l'air un peu con de me promener avec mes graines de panais. Pardon, excusez-moi du peu, mais... Oui, c'est les tonneaux que je fais avec la résine de chêne. Ah, tonneau. Si je délocalise mes tonneaux, j'en fais beaucoup, je les mets où, moi? Donc, de toute façon, il faut cuivre et fer, donc je vais en prendre. Ah, il faudra que je refasse du fer. Il faut que je retourne à la mine, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Stratégiquement, il faut que je retourne à la mine pour récolter du minerai. Putain, mais je les mets où, les tonneaux de... C'est les tonneaux en bonus, je les mets là en attendant? Non, j'ai pas le droit. Enfin, si, là, j'ai le droit, mais... Ouais, attends, je vais astucieusement, je vais faire comme ça. Ah, j'ai pas le droit de le mettre là. Oh, les décalages. Je vais tester le vin. Vas-y voir le raisin. Ouais, on va tester l'idée de faire du vin. L'idée me plaît énormément. Bon, je vais ranger les graines de panais. Avec ma tunasse, est-ce que je vais chez Pierre acheter des graines? Oui, non. Pourquoi pas? Et après, je vais à la mine. Attends, je vais déposer l'arrosoir. Ah, perdu, Olive. Le coup du gamin qui jette une pierre dans l'eau. Si mûche. Perdu. Ah, monsieur le maire. Dommage, j'ai pas de binous sur moi. Le salon peut être animé le soir. Parfois, nous mettons une pièce dans le jukebox. C'est vrai que je vais pas souvent au bar. Oui, c'est la blonde le dernier jour. Ah oui, puis il y a la fête des œufs le samedi. Ouais. Qu'est-ce que je vais acheter? Ah oui, il y a les tulipes aussi. Les tulipes, c'est troublant.
C'est troublant la variété de couleurs. Est-ce qu'on peut pas en faire du colorant ou je sais pas quoi? Ouais, il y a l'ail aussi qui est sympa. Ouais, je vais acheter de l'ail. Allez hop. Alors, Olive, je suis pas trop de casse car je passe mon temps à surveiller mon feu d'insert qui est pourri car bois pas très bonne qualité. Un peu humide. Oh merde, hein. Oh là là. En plus, tu dois galérer avec ton chauffage. Et bah, je te plains. Attends, je regarde les persos en même temps. Oui, j'avais dit que j'irais à la mine. Dans la mine, dans la mine. Je dépose illico presto mes graines d'ail là. Hop là. Allez, un petit peu de mine finalement. Ah bah. Jonquille. Ah, c'est vrai, j'oublie. Je sais parler avec le nain là qui est sur le côté. Je sais plus, il vend des trucs de fou par moment. Salut toi. Tu es pas un espion envoyé par le peuple des ombres, n'est-ce pas? C'est quoi le peuple des ombres? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je t'ai à l'œil. Oh! L'autre, il me voit mal. Friandise de mineur. Tac, tac, tac. Ah ouais! Ah ouais! Ça coûte cher, mais c'est sympa. Faudra que j'essaye un jour la friandise de mineur. Après, le reste m'intéresse pas. La friandise de mineur, faudra que je le prenne un jour où je passe la journée complète dans la mine. Histoire d'avoir le gain max. Oula, prise de risque. Sous-sol numéro 95. Oula, j'ai déjà vu un truc bouger sur la droite. Gare. Ah, c'est un caillou vivant. Oh. Oh merde. M'a fait peur le crabe machin. Oh génial! J'ai gagné carrément le crabe qui était sous le caillou. Oh là, c'est quoi ça? Oh là là, il y a un truc en haut, c'est. Mon dieu! Pilote, il est en train de me patater. Oh là là là, ça tire des boules de feu. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Mon dieu. Attends, ma santé. Mais il va crever lui? Voilà, je suis quasiment mort. Ok, tout va bien. J'ai gagné une bombe, ce qui est pas mal. Wow, je vais avoir du mal à remonter dans le... Oh, c'est trop dangereux. C'est tellement dangereux que je vais aller à un autre sous-sol. Tant pis. 55, c'est peut-être gentillet. Ouais, les glaces, c'était mieux. Je vais prendre un sous-sol de mon niveau. Oh, egg marine. C'est le truc que le centre communautaire veut au niveau des colorants. Oh, le bol. Le bol énorme. Le truc que je pensais jamais avoir, je l'ai par un heureux hasard. Ah, alors attends, lui il est plus de mon niveau, je crois. Merde, il m'a englué quand même. Vous allez voir que le slime de niveau inférieur va me buter. Qu'est-ce qui fait plus de dégâts? C'est le maillet 24 ou l'épée? Ah non, c'est l'épée 45. Faut que je me batte à l'épée, qui est con. Non, le maillet, je vais le ranger. Encore une autre secrète. Ah non, une par semaine. Hein. J'en ai déjà lu une là. C'est. J'espère que je peux avoir du minerai de fer ou argent là dans ce niveau là, je crois. Hein. Bah oui, la preuve. Voilà, fer. Très bien. Et c'est le fer qui me manque le plus dans les minerais. Donc je suis au bon niveau.
Faut que je fasse les niveaux 50 de la mine pendant un moment. Ah, bien joué. Oh, des géodes gelées. La 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 la. Hop là. Merde, il y a un fantôme de mes deux. Ah merde, il m'a touché, cet idiot. Hop là. Oula, il y a beaucoup de monde. Pas que je prenne du... Non, il y a une vague d'énergie. D'ennemis. Baston, je suis prêt. Venez. Venez, je vous attends. Ouais, ouais, je me défends. C'est la bonne technique. Putain, j'ai plus de place dans l'inventaire. Oh, c'est abusé. Non, je vais me cerner, les vilaines. Mmh. Où êtes-vous? J'ai gagné. Ah oui, je peux faire l'usage de la bombe. Attends, il y en a une là. Merde, elle est encore en vie, la vilaine. Eh ben voilà. Allez, usage de bombe. Gare, vite, fuyons. Oh, très efficace. Trop bien. Là, pour le coup, la bombe a été largement rentabilisée. Ça fait place nette dans la pièce. Trop, trop bien. Voilà. Alors, faut que je fasse gaffe. Il est 21h. Je récolte des géodes gelées. C'est trop bien. Des cailloux, yo-yo. Non, allez, je vais m'arrêter là. Et hop, je me barre avec le chariot. Direct à l'arrêt de bus. Ouais! C'est trop bien. Miaou. Retour au barcail. Normalement, j'ai tout fait. À chaque fois j'ai le doute avec les champignons, mais je démarre par là normalement, ouais. Les arbres fruitiers se portent bien, non? Oui, les arbres fruitiers se portent très bien. Ah, c'est une note que j'avais déjà là. Je viens d'avoir un doublon dans les notes. Produit de la mer, j'avais. Ah oui, j'avais un truc de qualité rare. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre le crabe. Ah bah non, j'avais déjà un crabe. Bon bah alors, je cumule les crabes. Oh, le truc d'algues marines, il faudrait que je fasse un détour exprès où je le range là. Ouais, je vais le distinguer ici. Là, j'ai le truc de la géode gelée. Minerai. Ouais, mais pas assez. Ah là 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 là. La rentabilité du minerai est souhaitée et je l'ai pas. Enfin, ça se fait pas en claquement de doigts non plus, mais... Attends, ça c'est un truc divers, ça. Ah bah oui, comme j'étais dans les grottes froides. Ceci explique cela. Non, c'est pas le bon coffre, je fais des bêtises. Et j'ai oublié l'algue blanche. Oui, non, c'est fait. Oh là, j'insiste avec la grotte aux champignons.
J'arrive pas à me persuader que ça a été fait. Tac, 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 tac. Bulletin météo. J'entends des bruits bizarres. J'ai l'impression que j'ai encore les voisins qui font un ramdam dans leur garage. Nuageux, attention au pollen, ok. Alors, une recette que j'ai pas, visiblement. Oh, le casier à crabe. Bah, c'est marrant, il fallait que j'en récolte un. Les pêcheurs expérimentés savent comment fabriquer des casiers à crabes malgré leur nom. Ces casiers peuvent être utilisés pour attraper une grande variété de créatures aquatiques, aussi bien en eau douce que salée. Il suffit de placer votre casier à crabe dans l'eau et d'y ajouter un appât. Revenez le lendemain et vérifiez que ce que vous avez attrapé, vous devrez le remplir à nouveau avec un appât pour attraper une nouvelle prise. Oui, je m'étais déjà amusé à ça. Mais je dois avouer que les récoltes n'étaient pas fameuses. Votre progression a été sauvegardée. Ah merde, j'ai rien vendu. Non. Ouf. Oh, la lecture à chaque fois le matin, c'est fou ça. Ah, le maire qui m'écrit. Bonjour Samantha, demain nous organisons la fête des œufs sur la place du village, ouais. Vous devriez venir demain à 14h si vous êtes assisté, vous n'aurez pas manqué à chasse aux œufs annuels. Mère Lewis, ouais. Ouais, 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 ouais. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un malus quand vous boudez les événements du village. Est-ce que vous n'êtes pas exclu? Vous êtes mal vu et socialement ça baisse en estime pour tout le monde. Allez, c'est parti, on va varier dans le vin comme j'ai plus de houblon. Ça va être un été de fou. L'été qui va arriver, ça va être. Il va y avoir 1 km de champ de houblon. Mais vraiment. Ça rapporte trop de thunasse. Alors. Ouais. J'arrive, Zeus, j'arrive. Merde, mon arrosoir, je l'ai rangé. Le riz. Ah, 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 ah. Je peux récolter le riz, visiblement. Ouais. C'est du riz non moulu. Ah. Il va falloir que j'apprenne à le moudre. Marda. Ça n'était pas prévu au programme. Ah, ça y est, j'ai encore d'autres mousses qui arrivent. Les panais, je te les mets là. Eh, attends, printemps, y a pas eu les buissons sauvages là avec des trucs à cueillir? C'est qu'en été et en automne peut-être, le coup des mûres et des framboises. C'est pas mal ça, la cueillette à la sauvage. Ça aussi, ça rapporte à donf. Oui, bah il me reste plus de quoi faire du vin alors. Wouah! Non, je veux pas manger le raisin, non, 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 non. Ah, et puis bouteille de vin, je crois qu'il aime bien le sorcier, mais c'est dans la maison communautaire aussi. Oui! 10 bières blondes, ça veut dire 4000 et des. Ah! Oh, ça veut dire la richesse. Merde, j'ai oublié de reprendre mon arrosoir, tellement que je suis ému. Allez, au boulot, Samantha. Oui, j'arrose des trucs vierges. Faudrait que je revienne planter des choses. C'est automatique. Ici, c'est pas automatique. Je crois que c'est des choux frisés ici. Alors, pardon, mais mon imagination fait que j'ai l'impression de voir des épinards qui sont arrivés à maturité. Surtout que c'est un végétal que j'aime beaucoup manger, les épinards. D'ailleurs, il faudra que je m'en refasse en miam. Un petit bouton que j'ai pas mangé ça. J'adore ce plat. Mais vous dire, les épinards, j'aime tellement que je peux faire comme Popeye. J'ouvre la boîte et je mange froid et cru. C'est vous dire. Les épinards, tout, même tiède, à la crème, à ce que vous voulez, aux champignons aussi, une fois j'ai fait. Trop bien. J'adore ce végétal. Et how we go there? Ça y est, enfin la récolte. La récolte de Nawiko. Moi je vous dis, c'est ça qui est beau.
La 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 la. Merde, y'a plus d'eau. Ah! Laisse-moi accéder au point d'eau. Alors, hop, le pied de haricot supérieur, là. C'est ce pour dire. Alors, ça c'est fait. Mais ouais, j'ai une suspicion de buisson, peut-être, à faire une cueillette sauvage, là. Ah, puis on va retourner... Hé, comme il fait jour! On va retourner à l'endroit, vous savez, là, que j'ai déblayé au niveau du bois, là, trop bizarre. Là où j'ai pété la souche. Ah oui, puis j'avais dit que je plantais ça au fond du jardin. L'acajou. Pour voir ce que ça donne comme arbre. Je dois en avoir, mais je ne sais plus le distinguer. Je vais ranger l'arrosoir là. Alors attends, acajou. Où est-ce que je peux mettre les graines? Bah là, par exemple. Ouais, ça fera un arbre. Hop là, allez hop. Adjugé vendu. Oh, verron de la Dour. Bien, Olive. Alors attends, il y a l'endroit bizarre sur le côté. Avec Kaloni, la maître du goût en statue. Ah, il y a le vendeur Maboule, enfin un truc bizarre. Poisson globe, oh mon dieu. Oh, poisson des sables. Oh, ça c'est un truc de la maison communautaire. Alors, il est pas trop cher, donc je le prends. Le chou rouge aussi, c'est la maison communautaire. Eh ben, j'achète aussi, tant pis, ça coûte du fric. Oh, la graine rare. À semer en automne, besoin de toute saison pour pousser. Je prends aussi. Je sais que je vais avoir la rentabilité du... Je vais avoir la rentabilité du... Qu'on s'appelle des mousses, là, qui va arriver. Le lendemain, donc je me permets. Mais, ouais, trop bien. Je me souviens qu'il faille... Ah oui, attends. Graines d'acajou, toujours et encore. Ah bah tiens, est-ce que je peux les planter là? Non, j'ai pas le droit. Ouais, c'est un endroit bizarre ici. Enfin, bizarre. J'ai pas le droit de... Oh, chabot commun pour le cousin, bien. Le chabot commun, hein. Ouais, le vieux maître Cannoli. Alors ça, il y a quelque chose à faire. Je sais pas quoi, mais il y a un truc avec la statue. On est d'accord, ça va pas plus loin dans le... Il y a un chemin secret quelque part. Alors là, j'explose de rire. Et on retrouve Samantha en Amazonie. Ouais, on dirait qu'il y a des trucs de planqués. Attends, il y a un truc en bas. Il y a un chemin, là. Ah! Bah, faut me dire aussi que la zone, elle est rectangulaire dans le dessin, donc... Oh là là, tu m'étonnes qu'il y a des secrets dans Stardew Valley. Vous de Dieu. Mais ça n'en finira donc jamais. Il est extraordinaire, ce jeu. Hop là, c'est bien, ça me fait du bois classique et du bois dur. Attends, du coup, je vais tout tester. Y'a rien en haut? Attends, non, merde. Ah, le jeu qui me met dans le doute absolu, là. Là, y'a pas un chemin? Non, y'a pas un chemin.
C'est énorme. Le chemin de la montagne secrète, c'est où? Non, il n'y a plus rien. Faudra que j'essaye de pêcher ici, là, le point d'eau secret. Il doit y avoir du poiscaille vachement intéressant. Là, il n'y a rien, on est d'accord. Hein. Arrêtez la déconnade. Stardew Valley, vous allez me rendre fou. Là, je peux les... Ouais, je peux les planter au bord de l'eau, les graines d'arbre. Voilà. Oh, je vais à la maison communautaire. J'ai rangé... Ouais, j'ai rangé le truc d'aigre douce, là, je sais plus quoi. Ouais, allez, je vais aller rapidement à la maison communautaire, au moins c'est fait. Parce que là, j'ai pas mal d'objets à y déposer, donc c'est justifié. Avec le coup de bol que j'ai eu. J'avais mis dans le coffre noir, hein, je crois. Oui, c'est ça. L'aigle marine, je sais qu'il en veut. Après, pour ce qui est du reste... Ah, j'ai la graine à semer en automne. Non. Non, 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 non. Le coffre de l'automne, il est là. Eh ouais, la graine mystère. Fallait pas donner une grenade à un moment aussi au centre communautaire. Oh là là, il y a tellement de trucs. Non, pas ça, mais ouais, là. Je vais ranger l'algue verte. Oui, les bois, le bois dur. Ah, j'ai pas rangé là le bois dur. Le réfort. Le bois dur est ici. Ah oui, le bois dur est ici. Ok, ça va là. Ouais, ça ferait 4 trucs dans la maison communautaire. Ça se refuse pas. Hein. Attendez, je bois un coup le temps que Samantha se déplace. C'est la même chose, je sais plus où ça se passe. Ça c'était quoi déjà? Ah bah je crois que c'est... Attends, artisan. Ah, je l'ai déjà donné en fait. Je l'ai déjà donné. Récolte de printemps. Ah, le haricot, la pomme de terre, le... Ah merde! Mais oui, la récolte de printemps, je vais pouvoir le faire. Alors qualité, on verra plus tard. À mon avis, c'est les années futures. Mais attends, printemps, je peux le faire là. Pommes de terre, chou-fleur, haricots et panais. Oh, mais oui! Faut rater. Oh, mais oui. Ah, puis, ah oui, le miel. Merde, j'ai oublié de prendre le miel. Le miel. Encore que ça urge pas, parce que les autres, j'arriverai pas à les avoir. Ouais, bah l'automne, non, j'ai pas, mais. Lentement, mais sûrement, on y arrive. Ça, c'était. Les poissons. Alors, voilà, je me disais bien que sa tronche me disait quelque chose. Ah merde! Même le poisson globe, il faut l'avoir. À 1000 balles, c'est abusé. Wow. Ouais, bah, de toute façon, quand je suis pas prêt de l'avoir. Le poisson globe, oh là 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 là. Ouais, le poisson nocturne, machin. De toute façon, j'ai plus de poisson, donc c'est plus là. Là, c'est... Oui, colorant. Alors, elle... Ah bah oui, il n'y a plus qu'avec elle. Voilà. Ah, c'est la plume de canard qui me manque. Ah, merde. Alors, la plume de canard, à part élever des canards, je vois pas comment je pourrais en avoir une. Vraiment. Eh bah, dis donc.
Récolte de printemps. Ah, c'est pas compliqué. Haricots, panais, chou-fleur et je sais plus quoi. Panais, haricots, chou-fleur et... Oh, je vais aller très rapidement à la carrière. Vu le temps qui me reste, je vais aller très rapidement à la carrière. Ah bah, voilà, c'est tout bénef, là aussi. Je sais plus, non, j'en ai 6 des... J'en ai 6, pas 8. Ouais, je garde la grenade ici pour le principe. Attends, j'ai du minerai là. Ouais, régulièrement il y a des cailloux qui se pointent. C'est... Oh! Totem de téléportation. Alors le totem de téléportation vers la ferme, ça va être trop bien quand t'es dans la merde, dans la mine. Histoire de dire Joker, je rentre tout de suite au bercail, ça va être trop bien. Il y en a des arbres qui vont pousser, on le voit. Alors, coffre. Je range... l'argile est même pas là. Là, j'ai les minerais. Ouais, c'est timide, hein, les minerais. Oh. C'est timide. Allez, un petit bois flotté. Je vais demander un recyclage le temps de la nuit. La pierre, il faudrait que je fasse quelque chose avec la pierre. Ah la vache, j'ai presque 2000 cailloux. Hop, allez, recyclage, tout ça, ça carbure. Extraordinaire. La télé, je sais plus, on l'a regardée ou pas? Quoi, les esprits sont perturbés, la chance sera pas de votre côté. Météo. Il fera beau. Ah oui, les œufs. Oh, la fête des œufs. Ah, malia. Oui. Ah bah tiens, nouvelle recette de fabrication, totem de téléportation, la ferme. Alors, qui est niveau 8, compétence de H plus 1 et récolte de baies sauvages plus 1. Oui, les baies sauvages, c'est ça que je voulais mater. Mais j'en ai pas vu, en fait. C'est pas le moment. Oui, 4200. Oh le bonheur. Le printemps continue. C'est un chemin qui sentait bon la noisette. Allez, je commence par la téloche. Et c'est pas intéressant. Demain, il fera nuageux. Ah merde, donc il faut que j'arrose tout le temps cette semaine. Oh. Oh, que la nature a été généreuse. Oh, que j'ai oublié de replanter des trucs. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est l'alo. Oula. J'ai planté combien de panais, moi? C'est vrai que j'avais 100 graines au départ. J'en ai planté 90. Tout va bien. Ma fortune est faite. Youpi. Non, ça c'est encore trop petit, mais on voit que les choux-fleurs vont se pointer d'ici peu. Qui c'est que ce pédoncule végétal en... Oh mon dieu. Ah. Non, on boit pas le sirop d'érable. La faux peut-être. Ah non, c'est pas encore prêt. Oh, il y a des haricots en haut. J'ai une nouvelle récolte de haricots. Merveilleux. J'ai le haricot vert. J'ai pas pris mon arrosoir, merde. Je vais aller faire les champignons. Oh putain, il y a un peu de panais. Le système de rétention d'eau a marché en bas, mais pas en haut. C'est aléatoire, c'est rigolo, c'est intriguant.
ils ont tous la même taille, les chou-fleurs. Ouais, la journée suivante, avec un peu de bol, dimanche, je récolte mes chou-fleurs, je pense. Je dis bien, je pense. Je sais que c'est une croissance lente. Ah, j'ai mis du charbon. Attends, je trouve que je gère mal. Je devrais pouvoir vendre plus de trucs là, parce que je stocke dans les coffres, mais... À part en faire un produit fini, un plat, et encore, c'est pour moi, j'avais remarqué que les plats, ça rapportait rien. C'était même à perte, en fait, par rapport à l'achat de certains ingrédients. Mais, je sais pas, c'est bizarre. Ou alors, je vends directement ma récolte à Pierre, il va être content. Ouais, je vais peut-être vendre ma récolte à Pierre, mais ça va être jour des œufs, donc je vais pas pouvoir accéder à sa boutique. Ah, peut-être que je fasse ça dimanche. Ha ha ha! Les gelées de mur. Bon, je vends les gelées de mur déjà. C'est pas perdu. Ah merde, il y en a encore là. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ouais, je les avais même pas vus. Et ben, pour la peine, je vais les vendre directement. Allez hop, c'est la fête. Alors, graines. J'ai... Non, pas le riz. Là, c'est une hérésie si je fais ça. J'ai aussi des graines bonus. On est à la moitié de la saison. Je peux sûrement les planter. Essayons. Alors, les bousses d'ail. Plantons l'ail à gogo. Merde, il y a encore un panais. Celui-là, il était planqué derrière le... J'allais dire l'échafaudage, bien sûr. L'éplantail. Oh, encore derrière le sapin. Ouais. Toi aussi, t'aimes ça. Attends, je vais te lire, Olive. Merci, je vois que t'as pris le temps de m'écrire. Oui, le chien. Oui, la fête des œufs. J'en peux plus. Attendez, j'ai trop de choses à faire. Arrêtez les gens. Stop. Là, je mets les panais ici. Et les graines bonus, je les mets là. Allez, hop. C'est pas perdu. Et j'ai pas mon arrosoir. Tout va bien. Le mec qui a tout faux. Donc on est d'accord, ça je peux pas le récolter, ouais. Pas encore, du moins. Les graines, on va les ranger tout de suite, les graines bonus. Alors les haricots ne prennent pas de Z, faute d'accord qu'ils possèdent une H. J'ai dit haricots est une scène d'épouvante. Hi, oui aussi, on pourrait... Je ne sais plus, je suis perdu. Ah, mon dieu. Mon arrosoir. Oui, lol. Aïe, aïe, aïe. Les Harry Potter. Ouais, exactement. Mais il y a trop de plants arrosés. Sniff. Bon, ça c'est automatique. Oui, bon, ça c'est le chou frisé que. Hein. C'est le chou frisé solitaire, lui. Pa-pa-pa-la-pa-la. Oui, je t'oublie pas, Zeus. Je vais arroser ta gamelle, promis. Alors ça c'est bon, on va faire les haricots. Ah, je fais exprès. La 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 la
Un esturgeon du Danube. Bien. Par acquis de conscience, mais je crois qu'il n'y a rien. On va aller voir les arbres fruitiers. Voilà, il n'y a rien. On est d'accord. La fête des œufs, la fête des œufs, la fête des œufs. Allons à la fête des œufs. La 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 la. La fête des œufs, la fête des œufs. Ouais! J'ai pas regardé ma thune. Ah oui, j'en ai un peu quand même. Oh, flamant rose de jardin. Oh, lapin en peluche. Putain, il est hors de prix, mais il est trop mignon, le lapin. Oh, graines de fraises. Prends 8 jours pour mûrir, produiront des fraises. Mais pourquoi il vend des fraises que maintenant, lui? Mais bien sûr que je vais faire dans la fraise. À défaut de ramener la mienne. 8 jours. Oh, faut pas que je me fasse avoir. J'essaie de faire ça dans les trucs automatiques, c'est pour ça que j'en prends 18, 2 x 9. Plante saisonnière, tableau coloré, oh, bannière de couleur pastel. Ouais, c'est de la déco, une fourche décorative. J'ai pas assez de thunes pour genre de fantaisie. Je reviendrai l'année prochaine quand j'aurai fait fortune dans la brasserie. Que penses-tu des haricots? Ah, Wisebot. Oh mon dieu. Lui aussi, il aime dire les haricots. Ah, Linus, comment qu'il va? Je vais venir discrètement un peu plus tard pour manger un peu. J'ai jeté mon dévolu sur cette tarte délicieuse. T'as bien raison. Shane, certains de ces œufs ont été pondus ce matin. Tu veux les voir? Ils sont encore chauds. Oui, made in cul de la poule. Alors, Clint qui dit, oh non, c'est pratiquement que de la salade cette année. C'est pas son truc. Bon, d'accord. Pam qui dit, hey, si tu veux me faire manger des œufs, je vais avoir besoin de sauce piquante. Oh là 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 là, ils sont terribles. Chut, ne dis à personne, mais j'ai essayé quelque chose de différent cette année. Des œufs de canard à la crème anglaise. Ah, c'est pas sophistiqué, c'est pas con. Malo qui dit, tu crois pouvoir gagner la chasse aux œufs cette année? J'en ai aucune idée. Penny dit, j'espère que Vincent pourra trouver un œuf cette année. Ça lui ferait du bien d'avoir l'impression d'être un adversaire redoutable. Oh, bah alors le petit Vincent. Je vais vivre dans un œuf géant. Oui, bien sûr, Vincent. Alors, sa sœur, elle dit rien. Sa sœur devient insociable. Ah si. Je vais faire de mon mieux pour gagner cette année. Ah, voilà une battante. Paillon et neuneu. Alors, Émilie qui dit, cette année, j'ai cousu de petits pantalons et des petits chapeaux pour certains des œufs. Ils sont tellement adorables. Ouah, mais il y en a vraiment qui sont space dans le village. Alors, Jody qui dit, Ken sont toujours un peu nerveux lors des grands rassemblements comme celui-ci. Ouais, militaire qui... Ouais, qui a un peu peur qu'il se passe un truc dans les mouvements de foule, je présume. Léa, le punch n'est pas aussi bon que l'an dernier, il manque un certain quelque chose. Oh là là. Ah, le prince à Chocobéen, alias Elliot. Alors fais attention à ne pas prendre accidentellement un œuf de corbeau, ils t'en vont pour toujours. Effectivement, vu comme ça... Georges qui dit, je suis de bonne humeur car Evelyne a fait des œufs et des poireaux pour le petit déjeuner. Ça fait plaisir de voir Georges heureux. Avez-vous des poules dans votre ferme? Non, je suis désolé, ma grande. Le printemps est la saison idéale de l'année pour commencer à élever des poulets, tu penses pas? Pas cette année. Comment qu'elle se la pète avec son chapeau et ses lunettes noires, j'adore. Le médecin Harvey. Les œufs, c'est bon, mais je lui conseille de manger 30 par jour. Ouais, faut pas abuser non plus. Il est fou, lui. Sébastien, tu sais quoi, l'hiver me manque un peu. C'est une saison un peu simple, d'une certaine manière. Oui. Tu crois que je suis trop vieille pour faire la chasse aux œufs? Mais non, il n'y a pas d'âge. Oh là. Pas faux, si ça m'amuse, je vois pas pourquoi je devrais arrêter. Exactement. Alors Sam qui dit... Voilà, il en fait une tête. Sniff, mais ça tient les allergies. Ah, le... Oui, alors là, je le plains. Là, il se passe rien. J'ai pas le droit de fouiller les poubelles. Il y a une panier avec des œufs.
Oula, j'ai pas fini de voir tout le monde là. Alex qui dit, je me demande ce qui arriverait à mes bras et à mes jambes si je mangeais 30 par jour. Oui, toi, t'as discuté avec le médecin. Ale dit, oh, j'ai encore besoin de quoi ? De prendre ma photo au stand de lapin. Comment sont mes cheveux ? Ah, le pêcheur Willy. En effet, durant les jours de pluie, tu peux attraper du poisson-chat dans ces eaux. C'est une prise difficile, mais qui en vaut la peine. Ah ouais ? Bon, il n'y a personne qui est isolé dans le village, je présume. Il n'y a pas quelque chose de caché. Il n'y a personne dans le véhicule. Pas mal, le petit potager du maire. Est-ce que je peux aller sur la plage ? Non, c'est fermé. Vérifions les limites du village. Ah, ils ont fermé le pont. D'accord. D'ailleurs, il n'y a pas d'attraction avec le panneau, là. Ouais. Ah oui, il y a les égouts. J'ose même pas imaginer s'il y a un truc dans les égouts. Non, on peut pas entrer chez les gens. Je peux me barrer ? Ah non, non, non. Oui, je peux me barrer, effectivement. Ah là 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 là. Est-ce que j'ai parlé à tout le monde ? J'ai pas l'impression. J'ai pas vu. Il est où le sorcier ? Le sorcier, c'est un. J'ai envie de dire un marginal, là. Attends, j'ai pas parlé à Marnie non plus, d'ailleurs. Les poules pondent des œufs, mais les coqs jouent également un rôle important. Ils protègent les poules et les empêchent de se battre. Cela donne des poules plus heureuses et des œufs de meilleure qualité. Ouais. Le maire, si je lui parle, il va lancer la fête. Démétrius. Hé, hey, Samantha, t'as goûté ma tarte aux œufs de carpe ? Bah quoi, c'est le festival des œufs, n'est-ce pas? C'est pas faux. Le médecin, je lui ai déjà parlé. À qui j'ai pas parlé? Robin, ça fait du bien d'être dehors après cet hiver long et froid, n'est-ce pas? Alors, Caroline, ça peut être un peu ennuyeux, mais ce genre de festival est une bonne occasion de se lier d'amitié avec vos voisins. Enfin, nos voisins, oui. Lui, je lui ai parlé. Ah, le militaire, Kent. Pour tout dire, j'aime pas trop les œufs. Ouais, oh, c'est pas... Mais il est où le sorcier? J'ai pas trouvé le sorcier. Oh, le détour pour aller parler au... Marlon, là. As-tu déjà choisi des œufs de slime? C'est un véritable exploit. Des œufs de slime? Je crois pas que j'en ai vu, non. Il est où le sorcier? Pourquoi j'ai pas vu le sorcier? Attendez, il est caché? Le sorcier est resté dans sa tour ou je me plante? Attends, maintenant que je sais qu'il peut y avoir des trucs planqués derrière le décor, je me méfie. J'ai pas rêvé, le sorcier il est pas là. Attends, la plage d'accès est fermée. J'en profite parce que je suis hors du temps là, y a pas d'horloge. Comme c'est un événement spécial. Je peux traîner la jambe d'une certaine manière. Normalement, tous les persos sont présents. Où est le sorcier? Oh, il y a une entourloupe quelque part. Il y a une entourloupe quelque part. Il est où le mec? Ouais, là c'est fermé. Là, je n'ose imaginer ce qu'il y a de caché. Hé, attends, mais je suis derrière la... Oui, heureusement qu'ils ont mis du tonneau, parce que... J'allais dire, je suis derrière la barrière de sécurité, là. Salut, toi. Je vous vois tenter de faire des négociations secrètes. Ah, j'admire votre bon sens. Tu m'étonnes. Non, mais sérieux, il est où, le sorcier? Le Démétrius, là. Non, il est pas... Il serait resté dans sa tour, le gars? Il est pas dans le cimetière. Non, il y a rien. Oh, notre bien-aimé Mona. J'ai jamais lu les tombes. Non, là, il y a rien.
C'est vieux et à moitié effacé. Ah merde. Non, il y a rien après au niveau des autres tombes. Mona, Mona. Eh ben. Merde. Alors, à mon avis, je présume que le sorcier n'est pas venu. Tu crois que tout le monde est prêt pour la chasse aux œufs? Ouais, on démarre, allez zou. Fais péter l'omelette géante. Voici le moment que vous attendiez tous aujourd'hui, la chasse aux œufs annuelle du printemps. Calmez-vous les enfants, vous aurez besoin de toute votre énergie pour pouvoir trouver le plus d'œufs possible et remporter les grands prix. Les grands prix. Bien, est-ce que tout le monde est prêt? Ouais! Que la chasse aux œufs commence. Ah, personne se barre en haut. Si, il y a le beau blond qui y va. Ah, j'en vois un derrière la poubelle. J'en ai un. Oh, j'en ai deux. Dis-moi qu'il y en a des planqués derrière. Je prends un risque. Oui! Wow, mais il y en a plein derrière. Merde, il y en a même un devant. Attends, il est parti là-bas, le bon, j'ai l'impression. Ah, il y en a un là. Oh putain, il a pas vu cet idiot. Ah non, ça n'est pas un, c'est un caillou. Ah! Oh! Il y en a un dans le véhicule! Ouais, bof. Oh, pauvre gosse. Il en fait une tête. Ah, j'en ai 7. Je sais pas si c'est un bon score. Alors, waouh, regardez tous ces œufs. Si seulement je pouvais convaincre les enfants à ramasser des déchets de cette manière, nous aurions la ville la plus propre de ce côté-ci, de la mer de Gemme. Qui est con. En même temps, c'est pas idiot. Et maintenant, voici le gagnant de la chasse aux œufs de cette année. Je serais surpris que ce soit moi. Abigail! Oh l'hôte! Hé, hey, je me demande s'il n'y a pas une vacherie à faire. La discriminer, je lui aurais répondu non, t'es plus en âge d'y jouer. Enfin, c'est dégueulasse, moi j'y participe. Je pars du principe qu'on a le même âge, Abigail et moi. Voici votre prix, Abigail, félicitations. Ouais, ça aurait été vache. Ah, il en a plus que 7. En même temps, il n'a pas annoncé le score. Hein. J'aurais pas dire, mais... Eh bien, la fête aux œufs de cette année est terminée, merci à toutes d'être venues. Ok. Allez, faut déjà se préparer à demain. Demain dimanche, c'est la blonde. C'est l'anniversaire de la blonde. Ah bah tiens, parlons de blonde. J'en récolte des mousses blondes. C'est merveilleux. Alors, les graines de fraises. Alors ça, c'est pas perdu. Ah, ah. C'est une urne. C'est une urne, c'est une urne. Hop là. Après, merde. Chauve-souris de mes deux. Après, tout était ok, je crois. Ouais, les champignons ont dû être faits. Ouais, très bien. Oui, 23h, ouais, non, faut aller se piéter. Mais non, bien joué. Alors, la blonde, je lui offre quoi, la blonde? Faudrait que je sache faire des gâteaux au chocolat à tour de bras, moi. Le lendemain, je vais vendre les panais de base et les pommes de terre de base à Pierre. Je me ferai de la thune directe et je vais vérifier s'ils vendent des œufs, mais je crois pas. Je me souviens pas qu'ils vendent des produits aussi frais. Wouh! Wouah! Le détail est intéressant. Le détail est intéressant. Allez, Zou, dernière journée de jeu dans Stardew Valley, là. Comme ça va être le dimanche, j'aurai bouclé la semaine. Oula, il y a des choses à faire. L'inverse aurait été surprenant.
Attends, j'ai la chauve-souris que j'ai patatée la veille au soir. Voilà. Ah, j'ai du miel. Miel que je vais garder pour le centre communautaire d'ailleurs. Hop, je le mets là. On y reviendra une autre semaine au... Ah merde! J'ai pas vu que... Ah, j'ai oublié un tonneau. Dommage. J'ai perdu le gain de la nuit pour la... Dommage. Ah bah. Oh, Pierre va être heureux. Parce que vu les panais que j'ai à lui vendre... Oh là 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 là. Attends, j'ai pas compris. Je viens de réussir accidentellement à faire une concentration avant arrosage. Et il y a eu un mouvement de vibration trop bizarre avec Samantha là, qui venait l'arrosoir. Est-ce que c'est un coup spécial arrosage? Je sais pas. Coup spécial, tu renverses l'arrosoir et en fait tu fais 9 carrés d'arrosage d'un coup. Ouais, c'est... Oh là là, la récolte va être énorme. Eh ben oui, c'est le jour, le bon jour pour vendre à Pierre mes récoltes fraîches, là. Ça va être un festival. Ça va être un festival. Attends, la fouille va arriver, si j'ai encore de la place. Joli. Ah oui, il y a le... Lui, il va être en bonus. Oh là 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 là, oh oui. Joie. Oh, magnifique. J'ai tout en un coup. Allez, c'est reparti. Est-ce que j'ai fait la gamelle du chien? Oui. Oui, j'ai eu un doute horrible. Mais à part une animation, le côté gentil d'avoir un animal de compagnie, je suis en train de réfléchir dans les mécaniques de jeu, là. T'es pas obligé d'accepter d'avoir l'animal de compagnie. Je pense pas qu'il y ait des joueurs qui ont été chiés, enfin vaches, pardon, au début et qui ont dit non, je veux pas d'animaux de compagnie et qui ont refusé. Parce qu'on peut refuser l'animal de compagnie. Mais. Est-ce que ça nous. Enfin, est-ce qu'on perd pas un bonus ou je sais pas quoi? Enfin, je sais pas. C'est... Je m'interroge. Bref. Alors, les plus beaux spécimens, je les garde. Même en argent, on sait jamais, je les garde. Le reste, je vais le vendre. Alors, le panais, je vends. Les 6 petits haricots, je vends. Et... Attendez. Ah oui, les pommes de terre, j'avais dit que je vendais aussi, de base. Voilà. Hum. Champignons. Alors, quoi qu'il y a, tu une scène. Va compter les belles-mères en animal de compagnie. Oh. Mon dieu. Et qu'il est bête. C'est pas un sketch de... Ça... Hey, tu sais, une scène, tu me fais penser à Benoît Poulvorde. Quand il faisait ces sketchs que j'adorais, il faudrait que je les revoie, j'ai la chance d'avoir le DVD. Les carnets de Monsieur Manhattan.
Alors, vous savez, Benoît Poulvard, il fait beaucoup d'humour noir, humour grinçant. Et, ah non, c'est l'élevage de champions qu'il a fait, avec les footballeurs. Mais je le verrais bien faire un sketch de Jarla, élevage de belle-mère. Mon Dieu. Ah ouais, oh les carnets de Monsieur Manhattan, faudrait que je me revoie les sketchs. Oh, faut s'accrocher à tout ce qu'on peut. Parce que... C'est, on va dire que c'est de l'humour qui pique, Benoît Poulvord. Rose, oui, je vais mettre les tulipes dedans. Ouais, c'est sympa en rose. Rose clair, ouais, c'est gentil, comme ça. Bon, je vais vendre ça à Pierre. Le marchand du village. Ah, il y a un poireau récolté en haut. Je verrai ça sur le retour. Bon appétit si vous passez à table. Ah, la blonde, c'est son anniversaire. Ah, j'allais l'oublier. J'allais oublier la blonde. D'ailleurs, je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est super. Tu m'étonnes. Alors, chou frisé, pomme de terre, pas mal le fric, chou-fleur, le panais, oh là là, haricots verts, bien, presque 20 000. Ah bah ça fait plaisir. C'est, oh pas mal le parquet. Ah, revêtement de sol en parquet, il me plaît celui-là, je vais l'acheter. Ils vendent du vinaigre. Pff, attendez. On est à la moitié de la saison du printemps. Qu'est-ce que je fais? Je rachète du... Ouais, allez, je vais faire mon live. Oh, les quantités folles. Plutôt pour toi, la pizza. Non, je vais carburer, je m'en suis fait hier soir. Je me suis fait des croques, monsieur, là, comme j'aime. Qu'est-ce que j'offre à la blonde, moi? J'ai rien à lui offrir, merde. Ah bah, là. Si je lui offre un champignon, elle va mal le prendre. Donc elle va en haut. Oh, ah, je crois qu'elle aime les pierres précieuses et les bling bling. Alors je vais peut-être pas lui offrir un diamant, peut-être pas déconner, mais je vais peut-être lui offrir une pierre précieuse. Elle va possiblement apprécier la miss. Attendez voir. Comme je sais qu'elle est allée en haut, les pierres précieuses elles sont où? Attendez voir. Ah bah voilà, je vais lui offrir une émeraude. Ça c'est une bonne idée pour son anniv. Eh, j'ai un diamant, mais faut rater la déconnade. Là, c'est pour la demander en mariage. Si je lui offre ça... Attendez... Viens par là, la blonde, que je te donne une émeraude en cadeau d'anniv. Elle est passée en haut. D'ailleurs, c'est à se demander qu'est-ce qu'elle fait là-haut. Oh, récolte. Oh, puis j'ai eu en qualité... Oh, plusieurs en qualité or. Attends, mais elle est où, la miss? Ah, elle est là. Tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait là? Ma sœur est tellement bizarre, parfois je me demande si nous sommes réellement de la même famille. Oui. Tu te souviens de la date de mon anniversaire? Impressionnant, merci. Je l'ai vu dans le calendrier de la ville. Bon, elle a apprécié l'émeraude. Mais non, tout ce qui brille, elle apprécie. Ça lui va bien. Voilà, j'ai gagné un tour gratuit, moi. Ah, dommage, monsieur le maire. Je suis désolé, mais j'ai pas de binouze, là. Oui, je suis maire depuis plus de 20 ans. Oui, donc bravo. On va te garder pendant 20 ans encore. Ah.
Faudrait que je profite d'un jour de pluie pour faire le tour de la région, la hache à la main, et débiter pas mal d'arbres, même si c'est le printemps. Parce que je trouve qu'il y a pas mal d'arbres qu'on poussait à droite et à gauche, et c'est du bois de perdu. Ça vaut le coup de... de faire le nécessaire. Alors, j'ai des graines à mettre à tour de bras. Voilà, joie. Les graines à tour de bras. Regardez-moi ça. Oui, je replante pas de riz, tant pis. Le riz, c'était pour tester. Surtout qu'il faut le moudre et je sais pas comment faire. Donc je verrai ça plus tard. Mais je me rends compte que j'ai pas acheté assez en fait. Je vais avoir encore des emplacements libres de... Bah c'est juste. Oui non c'est bon, c'est arrosé, c'est arrosé. Champignons ça a été fait. Ah fruitier j'ai rien. Ah j'ai mal... Voilà. J'avais loupé une case. Ibu. Alors le plancher me plaît beaucoup en décor. Je vais peut-être garder ouais le côté herbe là, je sais pas. Ouais, là je vais tout mettre en... Comment on fait déjà? Ah voilà. Hey, c'est pas pour me déplaire, j'aime bien. Le côté rustique... Non mais non, je vais pas aller dormir, non mais t'es fou toi. Le côté rustique est pas pour me déplaire. Puis là, c'est une chambre assez délirante qui me sert à rien parce que tous les coffres sont vides. Je vais quand même pas faire une exploitation dans la baraque, si. Oh, je pourrais presque. Je pourrais presque. Ce jeu est énorme. Je dois reconnaître que ce jeu est juste énorme. C'est quoi ça déjà? Ah, c'est le truc à mayonnaise, je crois. Non, même pas. Machine à graines. Ah non, la mayo, elle est à côté. Placez vos récoltes à l'intérieur pour produire une quantité variée de graines. Fonctionne pas avec les... Ah oui, d'accord. Ah, si j'ai un surplus de... Ouais. 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 Bof. Pas convaincu. Alors, attends, il me reste un peu de temps. Je vais aller à la carrière. Je vais aller à la carrière. Je vais abandonner mon arrosoir. Qui, pour le coup, ne me servira plus à rien. De go à la carrière. Hop là. Bon, au niveau de la fermentation dans les tonneaux des fruits, là, ça n'a pas bougé. C'est toujours en cours. Là aussi, il y a des arbres pas négligés à l'occasion que je pourrais toujours abattre. Mais je ferai ça un jour de pluie parce qu'il y en a tellement dans la région que... D'ailleurs, il faudra même que je gère l'énergie, du coup. Non, j'ai récolté que des cailloux, donc il n'y a pas grand intérêt. Ville, non. Mine. Pff. À mon avis, le nain a même pas quelque chose d'intéressant à me proposer. Alors. J'y crois pas. Il me reste un peu de temps avant de boucler la journée. Que fais-je? Que fais-je? On va aller voir au niveau de la nature si voilà des trucs comme ça ou entretien du terrain aussi là en bas. J'ai peut-être... Oh ça va, c'est correct. Il n'y a pas d'herbe folle, il n'y a que des pousses d'arbres, donc c'est pas... Ah ! Ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage de louper le miel. Voilà, là il y a des herbes folles. Je peux
toujours les... Hein. Il y a un peu de bois mort, ouais. Ouais, pourquoi pas. Comment on fait déjà les seigneurs en artisanat? Parce que je serais presque tenté de mettre des seigneurs dans les arbres hors propriété, et puis quand je passe, hop, je la récolte. Lingot de cuivre. Ah, faudra que je vérifie si j'ai... Si j'ai du rab dans le dans les lingots de cuivre. Et à l'occasion, je balance ça dans les arbres, même... même lointain, entre guillemets. Tiens, est bizarre le... Le bois là, il avait un aspect comme s'il était pourri. Non, c'est moi. Oula. Un peu. Tac, ça fait toujours du bois bonus. Bah merde alors! Oh! J'arrive pas. Ah, là il y a du. Hop, il s'en met. Ouais, bah je vais pas retourner dans le chemin bonus de nuit. Ah, bah lui il est. Ah, il était là! Vu l'heure, il a fermé boutique, dommage. Damage, damage. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est mon câble. Je dis, j'ai une drôle sensation au niveau des doigts. Mais en fait, en ayant la manette en main, j'avais pas vu qu'au niveau des doigts, je touchais mon câble de des écouteurs au niveau de la sono. Ouais, j'ai des merdouilles à droite à gauche sur le terrain. Ah oui, j'ai le météore mystérieux aussi. Il faut que j'optimise ma pioche là pour la fendre un peu. Ah, champignon géant. Vache. Ah, vilain bait. Ouais, ouais, les fameuses ailes de chauve-souris. Faudrait pas que je traîne, il est 22h. Ah, des herbes folles. Ouais, il est plutôt bien entretenu mon terrain. Ah, il y a un slime. Il y a un slime de mes deux. Un gélatineux. C'est bien, c'est bien, ça carbure. Ça carbure dans la ferme. Je pense que je vais vendre mon miel. Ce sera tout bénéf. Ce sera tout bénéfice. Hop là, à moi la thune. Bon, bah c'était cool comme semaine de Stardew Valley. Je vais voir la télé si j'ai pas loupé une émission. Ah si, sûrement. Alors, galette de pommes de terre. Ah bah, j'en ai vendu des tonnes des pommes de terre. Cette recette est très simple et ce qui est une bonne chose. Vous allez devoir râper les pommes de terre, ajouter une quantité généreuse de sel et les faire frire à la perfection avec de l'huile à feu vif. De préférence, ça semble facile, non? Et ben voici quelques astuces pour vous faciliter la vie. Ah! Du coup, est-ce que je peux faire les galettes de pommes de terre? C'est où? Ingman Glass. Ah, galette de pommes de terre. Il faut des bas des pommes de terre. Ouais, des pommes de terre, j'en ai. Oh, plus un agriculture. Oh, ouais, mais l'huile coûte cher. L'huile coûte cher, mais c'est intéressant pour aller à la mine. Je vais peut-être faire pas mal de pommes de terre, ouais, mais j'en arrive à la mi-saison, donc faut faire vite. Il faudrait que je pense à ma prochaine partie. Remplacer rapidement le lye que je vais récolter là en début de semaine.
par des pommes de terre, mais une centaine, histoire que je me fasse une réserve de pommes de terre. J'achète beaucoup d'huile et au moins j'aurai le dopage pour le pour la mine. Stratégie. C'est une stratégie qui se vaut. Et ben voilà, c'était Stardew Valley. Et c'est beau. Le miel m'a rapporté. Trop bien. C'était Stardew Valley. Midi et quart, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, génial, il pleut. Oh, je vais démarrer en douceur la semaine prochaine. Magnifique. Je suis enjoué. Non, je vais pas ranger la manette parce qu'elle va peut-être me servir. Je sais pas ce que je vais faire comme jeu, en fait. J'ai pas d'idée, là. Oui, lance l'analyse, si tu veux. Y a pas de souci, vas-y. Alors, arrêter enregistrement.